Fred Frank contre Ward. Dupuis qui s'amène. Dupuis. Fred tire. Et le but! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par le plaisir. Et le but! Kevin Veilleux! Ainsi seul, encore une fois. Il va de la même fin. Et cette fois-ci, réussit à marquer. Olivier Hayes. C'est. Tire. C'est. Échappé. Dans le gardien. Et le but! C'est quel arrêt d'Étienne Marcoux. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source et le Nash, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Raphaël Maheu du Cool FM de Saint-Georges. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ouais. Ça va bien. Nouvelle année 2023, quand j'ai écrit, tu sais, comme le titre là, de l'émission, il ne fallait pas que je me trompe de date, écrire 2022. Nouvelle année. Oui, ouais, c'est tout le temps ça qui arrive, oui. Bonne année, bonne année à toi. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent également. Donc, on va se souhaiter... Bonne année, Dave. Mm. On a eu déjà des bons matchs, là, des bons matchs. Oui. Encore des matchs en décembre, mais ouais. pendant la pause... Que ça continue de même, là, qu'à date, on a une super belle saison. Fait que, on va espérer que ça continue comme ça, puis qu'on a des bons matchs, que le monde soit en santé, puis que ça soit une année prospère 2023. Une année prospère, hein, la santé, puis le reste va suivre, comme on dit. Ouais, c'est ça. Là, les commentaires arrivent. Là. Danny Charette là, qui dit « Salut les boys, bonne année, pas trop magané des fêtes. » T'as-tu... J'ai le temps de récupérer. Là. De toute façon, je suis chanceux, je suis en congé cette semaine. Là. Fait que, t'es chanceux, toi. Ouais, c'est ma job qui donnait cette... En fait, c'était soit travailler entre 9 jours de l'an, avoir congé cette semaine, ou le contraire. Puis moi, j'ai travaillé en un jour de l'an. J'ai eu le temps de dormir en masse. Tout est beau. Ça a été plus dur sur la bédaine que sur la coche, je te dis. Ah ouais, c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Sûrement peut-être un gym qui va faire de l'argent avec moi au début de l'année. Jusqu'au mois de février. Ouais, c'est ça. Jusqu'à là que je me remets pour faire la Sinon, Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous deux et bonne heureuse année à vous deux. Alain Dubois qui dit bonne année, les gars. Stéphane Bailey qui dit salut les boys, bonne année. Donc, on est dans la bonne année. Moi, j'ai bu assez de bière. Ça sent la bode quand je pisse encore. Ça va bien, Danny. All right. Sinon, le temps qu'on laisse peut-être là, des gens arriver, on a quelques nouvelles. Dave, si tu peux peut-être commencer avec ça, je vais partager le podcast. Yes. Ben, c'est un petit peu plus tranquille, toujours le temps des fêtes au niveau des nouvelles. Là, c'est rare que des signatures, transactions. Tout le tralala là, pendant ce temps-là. Par contre, il y a quand même eu des matchs, il y a eu des bons matchs. Fait qu'on peut parler de ça un peu. Au niveau des nouvelles, là, les trois étoiles de la semaine, bon, une semaine de gardiens, trois gardiens qui ont été nommés les étoiles, dont deux des pétroliers du Nord, donc Carmine Pagliarulo, qui lui a récolté une victoire, 929% d'efficacité. Dominic Graham également une victoire à 941, donc assez impressionnant. Puis Martin Ouellet aussi une victoire. Donc, il faut croire que les gardiens ont bien fait, puis qu'il n'y a pas eu de performance incroyable de joueurs, plutôt de chapeau. J'ai vu, il y avait à considérer aussi Christian Ouellet et Maxime Massenauer. Qui étaient... mm-hmm. Ouais, Christian Ouellet qui avait, je sais que le match contre Thetford a récolté le 2 buts de passe, donc quand même avait connu un bon match celui-là. Je pense qu'il avait eu des points aussi dans le match du jeudi soir. Puis Maxime Massenauer avec
avait marqué deux buts là, dans une des victoires des pétroliers. Là, donc, mais je pense que du côté de Christian Ouellet et Massinauer, il y a un début qui était dans un filet désert. Donc peut-être que ça l'enlève un peu de prestige à la statistique. Wow. Mais ouais. Puis c'est ça pour les trois étoiles. Donc quand même deux étoiles pour les pétroliers du Nord qui pour faire un petit. Transition vers le classement. Donc, je pense que ça fit quand même bien avec le rendement des pétroliers. Eux qui sont 8 victoires, une défaite en prolongation à leurs 10 derniers matchs, qui fait que maintenant, ils sont rendus à 28 points. 7 points d'avance sur la deuxième équipe, les Marquis de Jonquière. Même si les Marquis ont un match en moins, c'est quand même une très grosse avance. Ont de loin, vraiment de loin, le meilleur différentiel de buts contre les buts accordés. Là. Donc, 27 buts de plus que Thetford Mines, qui est la deuxième équipe à ce niveau-là, comme on peut voir sur le classement. Et quand on regarde les buts pour, c'est les buts pour, 95 buts pour, ça avec, là, c'est considérable l'avance qu'ils ont là. Puis les buts contre, ben, ils sont la deuxième équipe au niveau des buts contre derrière Thetford. Mais Thetford ont seulement 17 matchs de jouer. Donc, ça se peut qu'à 19 matchs, Thetford ait plus que 62 buts d'accorder, même si ça serait au-dessus de leur moyenne. Mais vraiment, Laval, tu sais, les positions 2 à 7, c'est encore super serré. Encore seulement 4 points entre la deuxième puis la septième position. Mais Laval qui est vraiment en train de commencer à se distancer là, du reste du peloton. Donc, ça va être à suivre s'ils vont être capables de maintenir la cadence. Mais ça commence, tu sais, s'ils gagnent leurs deux matchs en fin de semaine, ça va commencer à ressembler à la petite run de Thetford Mines l'année passée, là, quand ils avaient eu, je pense, c'était 13 victoires de suite. Là. Je sais qu'il y a quand même une ou deux défaites par semaine à travers ça, là, mais à 8 victoires à leurs 10 derniers matchs, on commence à s'approcher là, de ce genre de rendement-là. Mm-hmm. Et puis, ben, ça, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, là, le peloton qui était quand même serré là, depuis quelques semaines. Les pétroliers là, ont une petite avance, si on peut dire. Je pense qu'il y a trois équipes qui sont à 20 points, 21. Donc le reste est quand même encore pas mal serré. Là, si on regarde, je pense, entre aussi Jonquière, Thetford, Saint-Georges, Rivière-du-Loup, je pense que dernier podcast, là, Saint-Georges était deuxième. Là, on glissait un peu. On s'échange d'une semaine à l'autre. Oui, ben tu sais, Jonquière était 5 ou 6e, je pense. Gagne leurs deux matchs, tombe deuxième. Saint-Georges était deuxième, perd leurs deux matchs, tombe cinquième. Fait que tu sais, vraiment, ça change à toutes les fins de semaine. Puis, sinon, parler... des petites nouvelles, il y a eu un post, là, Jean-Simon Allard, qui fait son 250e match dans la Ligue américaine. Puis je pense que ce qui est remarquable de son côté, c'est que ces matchs-là ont tous été joués avec les Marquis. Donc, c'est quand même rare dans la Ligue américaine là, que quelqu'un reste avec la même équipe aussi longtemps. Là. Je pense que Jean-Simon Allard est à sa 11e saison avec eux, ou 12e. Le seul autre joueur qui me vient en tête qui pourrait rivaliser avec ça, je pense que c'est Gabriel Lemieux à Thetford Mines ou Kevin Cloutier à Saint-Georges, même s'il y a une petite pause où il est allé en Europe pendant 2-3 saisons. Mais vraiment, c'est assez remarquable. Puis, Adam Bourque également, on peut considérer, même s'il est à la retraite, là, il a quand même joué 2-3 matchs à Serres cette année. Fait que tu sais, vraiment, il n'y en a pas beaucoup là, que ça fait au-dessus de 10-11 ans qui sont avec la même équipe. Chapeau à Jean-Simon Allard qui est rendu à son 250e match dans la Ligue nord-américaine, tous avec Jonquière. Yes. Il n'y a pas eu de suspension non plus cette semaine, si on regarde. Là, Non, je pense pas. C'est sûr qu'on a eu une semaine de congé à cause du temps des fêtes. Vite comme ça, je pense pas qu'il y en avait eu la semaine précédente non plus. Ben, il y a eu Brendan Hamlin qui avait été suspendu pour une mise en échec sur Guillaume Beaudoin des Éperviers. Donc, mais là, il a plus l'air d'apparaître parce qu'initialement, c'était 4 parties. On sait à 4 parties, on peut l'amener en appel. Là, j'imagine que ça a été réduit parce qu'elle n'apparaît plus. Puis les pétroliers n'ont pas joué 4 parties depuis ce temps-là. Ils en ont seulement joué 2. Donc, j'imagine que ça a été réduit à 2 matchs. Si on peut confirmer là, dans les commentaires, si jamais il y en a qui sont au courant, là, mais c'est ma supposition. Donc, oui, il y avait une suspension. C'était pas, c'était,
c'est quand même pas. C'est sûr que c'est pas le. En tout cas, Brandon Hamlin n'est pas reconnu pour ça, là, mais la mise en échec, pour vrai, c'était pas très. Pour avoir été là, puis avoir les échos de vestiaire de se retracer après le match, là, ouais, c'était pas super beau à voir. Heureusement, là, Guillaume Beaudoin, dans le fond, est correct, passer une coupe d'heure à l'hôpital, puis retourner chez eux après. Donc, c'est une mauvaise commotion de son côté. Fait qu'il va prendre le temps de se rétablir de ça. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Mm-hmm. Oui, effectivement, on va espérer que dans le fond, l'important, c'est qu'ils soient en santé, là, qu'ils reviennent au jeu avant la fin de la saison ou pas, rendu là. C'est sûr que du côté de Sorel, les fans vont être contents, puis c'était quand même un des bons défenseurs à Sorel depuis le début de la saison, mais le plus important, c'est qu'ils soient en santé. Sinon, il y a eu une signature là, d'un ancien joueur de la Ligue nord-américaine, mm-hmm. Pierre-Luc Leblond Les Tourneaux, qui a signé avec les Lions de Trois-Rivières aujourd'hui. L'année dernière, il a disputé une partie. Donc, je ne sais pas si c'est pour plusieurs parties ou juste peut-être quelques-unes dans son cas. Le joueur est à 37 ans quand même. Ouais, puis lui, il habite aux États-Unis, là, dans l'État de New York, dans le coin d'Albany, je pense, parce qu'il a joué longtemps. J'imagine sa copine de là, il a joué longtemps dans la Ligue américaine, là, dans cette ville-là, le club école des Devils. Puis il avait joué l'année dernière, c'était justement là, quand les Lions étaient de passage là-bas, là, qu'il avait joué pour dépanner. Est-ce que c'est une signature temps plein ou il va seulement jouer quelques matchs, ça reste à voir, mais. C'est quand même un joueur, les fans des Pétroliers du Nord vont s'en rappeler. Là. C'est quand même un joueur qui apporte une dimension assez unique à son jeu, là, capable d'évoluer sur un trio régulier et capable aussi de laisser tomber les gants avec n'importe qui. C'est sûr que dans la East Coast, ça arrive un petit peu moins que dans la Ligue nord-américaine, peut-être. Mm-hmm. Mais en même temps, tu sais, qu'il reste actif, que le joueur reste actif, peut-être que j'imagine qu'il doit encore appartenir à Laval sur les listes de protection. Donc. Qui sait, ne sait-on jamais s'il veut faire un retour au jeu au Québec l'année prochaine. Mm-hmm. On verra, mais sinon, pour les fans de ce joueur-là, ils pourront checker ce qu'il fait avec les Lions. Yes. Sinon, il y avait une publicité là, qui était dévoilée par Trio Hockey hier. J'avais fait un petit article là, là-dessus sur la source du hockey. Je vous invite à aller voir là, sur lasourcedouhockey.com. C'était dans le fond avec Christian Sbroka, ancien joueur de la Ligue nord-américaine, peut-être un petit peu plus affiché là, aux missions de Sorel Tracy, là, joue aussi là, avec les Chiefs de Laval à l'époque. Un joueur de talent qu'on avait déjà reçu là, au podcast pendant la pandémie l'année passée. Ouais, pendant la pause. Pendant la pause COVID l'année passée, oui. Un bonhomme très sympathique, avait des super bonnes histoires à raconter. Là. Il nous avait raconté quand il avait marqué le match. Je me rappelle toujours l'anecdote. Là. C'était le match des étoiles de la NCAA quand il jouait à l'universitaire. Puis il avait marqué un but en partant contre Bobby Orr, qui était l'entraîneur-chef spécial là, désigné pour le match. Donc, il avait impressionné Bobby Orr. C'est un bon. Pour ceux qui n'ont pas vu le podcast, là, il est sur YouTube. J'imagine que tu peux le faire aussi. Là, c'est un des bons qu'on avait eu avec Christian Sbroka l'année passée. Mm. Yes. Puis vous avez justement raconté là, lui qui a une carrière en chanson là, parallèlement, là, mais depuis quelques années. Aussi dans le domaine là, des publicités, là, production de publicité. Avait réalisé là, une publicité justement dans le temps du podcast pour Trio Hockey, donc une nouvelle. Puis c'est lui qui est aussi dans la publicité. Donc, on peut le revoir chausser les patins. Donc, quand même très intéressant. Yes. Sur ça, est-ce qu'on avait d'autres petites nouvelles, là, mon Dave? Non, ça fait le tour pour. Éric qui dit « Seb, monte ton micro, David, baisse le tien. Hein? » C'est pas... Tu veux monter? Je sais pas. Ouais, je vais baisser le mien. C'est moi qui parle pas fort ou... Là, c'est-tu mieux, là?
On m'entend. On t'entend. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il a baissé, tiens. J'ai comme changé, je pense que j'étais comme pas sur le bon micro. J'étais comme sur le micro de ma caméra et pas celle-là de mes écouteurs. Sinon, on parle fort. Ouais, si on peut me dire là, si tout est beau. Mais ouais, ça, il y avait. Ah, il dit oui, merci. Samuel Busque, là, des coms du Cool FM, qui avait annoncé qu'il y avait un joueur qui allait faire un retour vendredi. Donc, cliffhanger encore, on n'a pas eu de réponse, c'était qui ce joueur, mais Samuel peut peut-être nous faire une petite annonce au podcast un petit peu plus tard. Ce serait peut-être, s'il nous entend, l'invitation est lancée. Ouais, sinon... Mandra Raphaël. Quand est-ce que ça a été On pourrait, ça? Mais ouais, tu sais, c'est. Faut pas achaler le joueur, là, tout, pour passer. Ouais. Quand est-ce que ça a été annoncé, ça? Je pense aujourd'hui, ce matin, qu'il avait écrit ça. Okay. Ah, ben, il y avait. Ah, Jérémy Gauthier qui dit aussi la retraite de Martin Trump. On a oublié d'en parler, mais c'est vrai. Martin Trump. Il a fait un message vidéo là, sur ses réseaux sociaux pour annoncer sa retraite de la compétition. Donc, il est avec les bâtisseurs de Montcalm. Je pense que c'était à cause des maux de tête et d'autres raisons là, personnelles. Donc, ben, on va lui souhaiter une bonne retraite à Martin. Yes. Bonne retraite à Martin, là, qu'il prenne soin de lui. Yes, la santé d'abord. All right. Donc, on est prêt à aller avec notre invité, Raphaël Maheu. Yep. Une seconde. Salut, messieurs. Ça va? Ça va bien vous-même? Yes. Merci. Là, avant de commencer, je vais vous le dire. Je le sais, c'est qui le joueur, mais je vais laisser Sam faire sa job. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est un retour. Fait que ça veut dire que les options, il n'y en a pas mille. Là. S'il y a un investigateur qui veut se mettre là-dessus, mais ouais. Ben, on a reçu un investigateur ou un instigateur ou un investigateur, Dave. Ouais, si on demande à Jean-Michel Poulin. À Jean-Michel Poulin. Un investigateur, ouais. L'avez-vous invité, Sam? Ouais, ben ça, j'ai comme invité. S'il nous écoute, là, je l'ai invité à venir sur le podcast un petit peu plus tard. Jamais vu. On fait l'entrevue, là. Moi, un joueur que je vous souhaite que. Tu sais, je vais pas penser à la spéculation, là, mais un joueur que je me pose puis que j'avais même pris en note. De te poser la question, mais que, en tout cas, on verra, là, mais je voulais te poser la question dans le podcast, justement, si tu savais ce qui se passait avec Mathieu Nadeau, parce que c'était quand même un de vos deux meilleurs scoreurs en série l'année passée. Puis là, avec la perte de Maxime Guillon qui est rendu à Montcalm, puis Mathieu Nadeau qui ne jouait pas, comme vous avez une bonne saison, mais vos deux premiers scoreurs, buteurs des séries de l'année passée ne jouaient pas. Fait que j'avais une question un peu en lien avec ça. En tout cas, j'aurais plus misé sur Pierre-Luc Veillette, là. Mais... Ben, je pense que Matt, c'est surtout des raisons personnelles. Là. Il y a eu, en fait, lui et sa blonde, ils ont eu un enfant. Mm-hmm. Puis Matt, je pense qu'avec sa nouvelle job, il travaille quand même pas mal. Là. Il fait beaucoup d'heures. Fait que je pense que le temps qu'il avait pour le hockey, il l'a peut-être un petit peu moins. Puis il a peut-être juste décidé, dans le fond, de s'effacer un petit peu. Là. C'est peut-être ça pour cette année, peut-être le temps que son kid grandisse, puis peut-être un retour l'année prochaine. Là, je ne sais pas vraiment, honnêtement, qu'est-ce qui le pousse à ne pas jouer. Là. OK, good. All right. Donc, c'est Pierre-Luc Veillette aussi. Ah, c'est ça, c'est Pierre-Luc Veillette, c'est peut-être lui. On va laisser Sam. Salut Alex, c'est un de vos bons attaquants l'année passée. Ouais. Ben, j'ai pas. Moi, j'ai vu quelques matchs. Ben, en fait, j'ai joué 4 games l'an passé. Là. Mais les games que. Puis j'étais allé en voir quelques-unes, mais les games que j'avais. Ben, en fait, dans le camp d'entraînement, j'avais trouvé vraiment bon, là, Pete. Mais les games que j'ai vus aussi, honnêtement, c'est un très bon joueur de hockey. Là, puis, c'est sûr qu'il. En tout cas, c'est sûr que son retour ou la journée qui va revenir va vraiment aider notre cause. Ouais. Puis j'ai vu que, en tout cas, le
pour qu'il puisse. Il aurait déjà joué des games, parce que des fois. Il en a joué deux cette année. Ouais, c'est ça. Il a joué deux games depuis le début de la saison. Pour qu'il soit éligible aux séries. Mais ouais. Fait que lui, c'est ça. Si c'est pas lui, c'est une question de temps avant qu'il revienne, parce que j'imagine qu'il est supposé revenir d'ici la fin de la saison. Ouais. Ben, je ne sais pas, honnêtement. Sa blessure, tu sais, c'est. Je pense qu'il pouvait comme jouer, mais il avait mal, puis il savait pas trop s'il avait besoin d'une opération ou pas. Pour être franc, je connais pas vraiment sa situation. Là. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que si Pete pouvait jouer au hockey, il jouerait. Là. Ouais. Fait que, non. Mais écoute, je pense que c'est une bonne affaire qu'il soigne sa blessure avant tout. Là. Il a encore une couple de bonnes années devant lui, fait qu'il faudrait pas qu'il tire sa blessure. Puis écoute, qu'il guérisse comme il faut, puis qu'il soit prêt, il va revenir, c'est sûr. Parfait. Bon, fait qu'on va laisser planer le mystère jusqu'à temps que Sam nous réponde ou qu'il fasse l'annonce. Maintenant, Raph, on t'a pas fait venir pour se poser ces questions-là. C'est pour parler un petit peu de ta carrière aussi. Ouais, c'est ça. Ben, je réponds de façon politique. Là. Ouais, non, tu fais bien ça. Mais ça, on s'est parlé un petit peu là, avant le show. Je t'ai dit que j'ai sorti quelques photos. On a parlé quand même, tu as une carrière de hockey, une carrière aussi dans le CrossFit peut-être. On peut-être t'a demandé où ça en est rendu. Dernièrement, là, il y a eu un tournage là, la semaine des 4 juillet avec ta copine Marianne Saint-Gelais. Donc, on va discuter de ça. Là. Si les gens, vous avez des questions à mesure qu'on parle des sujets, n'hésitez pas. Donc, on pourrait peut-être commencer par le début. Là. J'ai vu que tu avais joué avec Ulysse, le prep school là, à Saint-Roch-de-la-Chigan. On sait que c'est un programme là, qui est très proche aussi des bâtisseurs de Montcalm. Mais tu as joué là, c'est pendant un an que tu as joué là? J'ai joué là 2 ans. Fait que j'ai joué là ma deuxième année bantam, ma première année midget. Okay. Fait que dans le fond, moi, ma première année bantam, j'ai joué bantam 2A. Puis on était tout le temps vraiment bon quand j'étais plus jeune. Puis ma deuxième année, on était vraiment, vraiment ordinaire. Puis je m'étais fait parler du programme Ulysse. Fait que j'étais allé, j'avais 13 ans quand j'étais allé le visiter. Moi, je suis un gars de Québec, puis c'est quand même à Terrebonne. Mm. Fait que moi, c'était non négociable. J'allais pas là, c'était trop loin, j'étais jeune. Mais mes parents m'ont quand même amené visiter un peu c'était quoi le programme, c'était quoi l'école. Puis dans le char, en redescendant, je leur ai dit que j'y allais. Fait que j'ai pris la décision en 13 ans de partir de la maison puis d'aller dans le programme Ulysse. Puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est un petit peu ça qui m'a aligné sur qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Là. J'étais quelqu'un qui était dans des sports-études à l'école, puis je me faisais pas dire nécessairement les bonnes affaires dans ce genre que si tu coules tes cours, on s'en fout, on va te garder pareil. Là. Mm-hmm. Tandis que là-bas, c'était si tu coules tes cours, tu manques des pratiques, puis tu manques des games. Fait que tu sais, j'avais comme pas le choix de m'orienter puis d'être sérieux à l'école. Puis je me suis rendu compte que quand j'écoutais dans les cours, puis que j'étudiais un peu, j'étais un bon étudiant. Fait que tu sais, je me suis comme bien aimé l'école aussi en même temps. Puis on avait l'opportunité de jouer souvent aux États-Unis, ce qui faisait que j'avais comme les deux options aussi de pouvoir aller jouer dans les prep schools aux États-Unis, dans les universités aux États-Unis, ou de jouer junior majeur. Mais tu sais, quand t'en penses à tout ça aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur move que j'avais pu faire. Est-ce que de jouer justement là, contre des équipes des États-Unis, c'est une avenue qui t'aurait tenté? Ben, au début, oui. C'était vraiment une avenue qui m'intéressait, puis j'étais sérieux dans cette démarche-là. C'est sûr que, par exemple, quand tu te fais repêcher junior majeur, surtout dans une organisation, j'ai été repêché à Shawis, donc une bonne organisation, on venait de gagner à Coupe Memorial aussi. Reste que c'est un rêve de jouer dans cette ligue-là, puis c'est un privilège là, pour les Québécois. J'ai grandi en voyant les remparts, fait que moi, jouer dans cette ligue-là, c'était je veux pas l'option numéro un. Fait que après le repêchage, c'était certain que je me dirigeais vers cette option-là. Là. Mais j'avais été aussi repêché dans USHL là, aux États-Unis. Fait que, tu sais, j'avais vraiment des belles opportunités aussi là-bas. Là. Mm-hmm. Puis, tu vas y aller? Tu penses que c'est proche? J'ai considéré. Là. J'avais été repêché à Muskegon. Fait que, tu sais, j'avais considéré y aller. J'avais des offres aussi, des options pour des universités là-bas. Mais pour le plan numéro un, ça, c'était vraiment de jouer junior majeur. Que t'as pas été, mettons, à Muskegon pour aller visiter les installations ou l'équipe, ces affaires-là? Non, on n'a pas. On a été invité par l'organisation pour y aller, mais ça n'avait pas à donner qu'on y aille. Puis de toute façon, tu sais, je pense pas que c'était. Pour faire des choses à croire à personne non plus, là. Tu sais, ça dépendait pas mal
de où j'allais jouer junior puis où j'allais être repêché, mais c'était vraiment l'option numéro un. Good. Puis de jouer justement à Ulysse là, à ce moment-là, c'était quand même un nouveau programme, de jouer dans un nouveau programme comme ça. Est-ce que c'était spécial? Est-ce que tu te sentais un peu comme si tu faisais partie de quelque chose de gros là, qui allait commencer? Là? Ben, dans ce temps-là, c'était pas nécessairement bien vu. Là, tout ce qui était Midget 3, ça nous haïssait un peu, puis on était comme un peu on était mal vu un peu. Là, le programme Ulysse, aujourd'hui, c'est vraiment connu, puis je pense que ça a une bonne notoriété aussi. Puis ça a vraiment grossi versus ce qu'on avait nous dans le temps. Là. Mais non, honnêtement, on avait vraiment une bonne équipe de hockey, puis on avait des joueurs aussi qui allaient au Cégep, pareil. Là. Fait que tu sais. Midget 3, c'est souvent des 15-16 ans. T'sais, moi, j'avais 14 ans, je jouais avec des 15-16 ans, 17-18-19 aussi. Quand on allait jouer aux États-Unis, on jouait contre des hommes là, aussi de 18-19 ans. Là. Fait que ça a vraiment fait, je pense, au niveau maturité physique. J'étais grand, j'étais gros. À 14 ans, j'étais 6 pieds 1, 210 livres. Mais reste que la maturité de la game, de jouer contre du monde qui ne veut pas, ça s'entraîne depuis déjà quelques années, etc., Ça m'a préparé, je pense, aux juniors mieux que. Ben, pas que. Pas, peut-être, je ne veux pas dire mieux que Midget 3, mais je pense que moi, personnellement, ça a été bon. Il y a des gars que c'est mieux d'aller Midget 3 aussi. Là. C'est pas vrai pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. En première année junior, avec les Cataractes de Shawinigan, tu étais coaché par un certain Denis Chalifou, qui est un des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue nord-américaine. De savoir. Est-ce que quand il vous coachait, est-ce que des fois vous aurez compté des petites anecdotes du temps qu'il jouait pour les Chiefs, des trucs comme ça? Est-ce que dans le fond, vous avez entendu parler de la Ligue nord-américaine par lui du temps qu'il vous coachait, Junior? Écoute, ça fait longtemps, mais moi, Denis me coachait à Ulysse aussi. OK, Ben oui, il m'a coaché 3 ans en ligne. Fait que quand je me suis fait repêcher, je pense 2-3 semaines après, il signait comme entraîneur à Shawi. Mais non, je te dirais, c'est écrit une bonne question. Je sais que. Il n'avait pas perdu ses talents de sniper dans les pratiques. Là. De dire qu'il a parlé de la Ligue nord-américaine, je ne m'en rappelle pas vraiment. OK. Mais sinon, si on parle un peu de ta carrière junior, là, à commencement, avec les Cataractes, quand même un choix de deuxième ronde de l'équipe là, suite à ta dernière saison avec Ulysse en 2012. Donc, tes débuts là, avec les Cataractes, comment que ça s'est passé? Ça a bien été au début de l'année. C'est sûr que les Shawi venaient de gagner la Coupe Memorial. Là, fait que c'était une année de reconstruction. Je te dirais que j'ai quand même été chanceux au début de l'année parce que belle photo. Parce que j'avais comme D partner, j'avais Dylan Labbé au début de l'année, mais j'avais aussi des petits bijoux. Oui. Fait que moi, j'ai joué avec Dylan Labbé au début de l'année. C'était sa première année aussi. Puis il y a un bout de l'année, j'ai joué avec Jonathan Narbonne, qui était un petit peu de 20 ans dans le temps. Parce qu'il était, tu sais, il était bon junior, là, tu sais, il était établi. Fait que moi, comme 16 ans, rentrant dans la Ligue, ça avait vraiment tu sais, stabilisé, aidé. Puis du moment qu'ils ont échangé Joe puis qu'ils ont comme liquidé un peu les vétérans qu'on avait dans l'équipe, ça a commencé à aller vite pas mal. Là. Fait que ma première année, je pense qu'elle a comme été un peu en deux temps. Puis je pense aussi que c'est peut-être une raison pourquoi j'ai été changé l'année d'après. Là, c'est que j'avais pas eu non plus une super belle saison comme première année. Mm-hmm. C'est pas évident de rentrer dans la Ligue d'une année en reconstruction. Mm. Ouais, j'imagine, là, parce que eux, c'est ça, c'est des cycles tellement rapides dans les juniors majeurs. Eux, ils venaient juste de gagner la Coupe Memorial, donc c'était pas mal. Ouais. Ouais, c'était pas mal, c'est ça, le temps de repartir. Faites une grosse recherche, Seb. Ah ouais, j'ai scruté les internets, quelques photos. Ben, je voyais que tu as des numéros différents, là, 80. Là. Ouais, ben 80, c'était mon numéro de la saison. Puis l'autre photo que tu avais montré, c'est dans le camp d'entraînement qui nous donne n'importe quel chandail. Là. Ok. Je me demandais. Mais sinon, quand tu as été échangé, peut-être une mauvaise saison, mais tu as pu avoir un nouveau départ dans. Tu disais que tu suivais les Remparts de Québec de jouer pour les Remparts de Québec. J'imagine que ça a dû être un rêve un peu pour toi quand tu as su que tu as été échangé, mais à Québec. Ben oui, exact. Puis, tu sais, quand j'ai reçu l'appel d'aller rencontrer le GM, Martin Mondou, puis je suis rentré dans le bureau, il m'a dit que j'avais deux choix. Je pouvais t'échanger à l'île du Prince-Édouard, puis j'avais une meilleure offre à l'île du Prince-Édouard ou à Québec. Je sais que tu es un gars de Québec, fait que je te fais un peu une faveur, on t'échange à Québec, fait que c'est sûr que là-dessus, j'étais,
très reconnaissant aussi, là, mais oui, un rêve de devenu réalité. C'est quand même dur à réaliser sur le coup là, que j'allais transférer pour les Remparts. Puis en plus, ce soir-là, on jouait contre les Remparts. Fait que j'ai juste fait un switch de chambre. Ah ouais? Ouais. Puis à Québec, tu as eu la chance de jouer dans le vieux Colisée Pepsi, mais je pense que tu étais là quand ils ont inauguré le centre Vidéotron. Parle-nous donc là, de ça, le premier match au centre Vidéotron, de jouer dans un aréna pratiquement à dimension NHL, là, parce qu'ils l'ont bâti pour essayer d'attirer. Ouais, ben, le premier match inaugural, j'étais pas là. J'étais au camp d'Avalanche du Colorado. Ah. Je ne l'ai pas vécu. Mais je l'ai regardé, par exemple. C'est ironique qui était au camp des anciens nordiques. Ouais, exact. Puis, ben, c'est sûr, écoute, le centre Vidéotron était plein à craquer, là. Je pense qu'il n'y avait plus un siège de disponible. C'est sûr qu'il y a eu une grosse cérémonie, fait que les gars, un peu les jambes shaky au début. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait une très, très, très belle ambiance dans l'aréna, puis que c'était un moment qu'on oublie. En fait, les gars n'oublieront pas. Puis mon meilleur chum, Yannick Turcotte, lui, il était là des fois pour jeter les mitaines. Fait qu'il a starté ça du bon pied en commençant la game de même. Ah, il a commencé. Ouais, il voulait être certain que c'était lui qui l'inaugurait le centre Vidéotron. Fait que c'est le premier qui a lâché les gants dans le centre Vidéotron. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Puis je voulais savoir, là, c'était en 2015, hein. Fait que là, votre run pour la Coupe du Président. Puis la Coupe Mémoriale, c'était genre pour closer le Colisée Pepsi. Le dernier hockey junior qui est au Colisée Pepsi, c'était la Coupe Mémoriale. Ouais, exact. Ouais. C'est la dernière game, ouais, Coupe Mémoriale. Ouais, si on parle un peu cette année-là, on a parlé en pré-show, ouais. Pour les gens qui nous écoutent, c'était une grosse année quand même. Vous aviez une équipe, si on regarde le line-up, là, c'était quelque chose. Raphaël Maheu faisait partie de cette équipe-là aussi. Fait qu'on a un peu peut-être cette saison-là là, que... On parle encore 7 ans plus tard. Oui, ben on a eu un peu une saison en 2 temps, mais c'était clair, net et précis qu'en étant les hôtes de la Coupe Memorial, il fallait se booster une équipe. Fait que on a eu un bon début de saison. Jusqu'à Noël, ça a super bien été, mais après ça, on a fait des gros échanges. On est allé chercher des gars comme Matt Murphy, Zach Fucal à Halifax, Vladimir Kachev, un gars de Moncton, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais ouais. Un gars hyper talentueux, peut-être pas le plus travaillant, mais hyper talentueux. Fait qu'on est allé chercher quand même des gros morceaux, Ryan Graves aussi. Fait que ça a pris quand même, après Noël, là, un peu de temps avant que tout ce monde-là se moule, trouve leur chaise, qu'on s'adapte un petit peu ensemble. Mais quand les playoffs sont arrivés, il y a peut-être juste la première ronde qu'on aimerait peut-être ça la regarder, mais quand t'es l'autre de la Coupe Memorial, la première ronde, c'est tout le temps elle que tu mets un petit peu plus de pression parce que tu ne veux pas perdre en première ronde. Mais un coup que la première ronde a été passée, on a passé le balai après 2 séries en ligne puis avant de se rendre en finale. Là. Puis la finale, pour ceux qui suivent le hockey junior, depuis peut-être, là, ça fait déjà 7-8 ans, ça va vite. Pour ceux qui suivent le hockey junior depuis longtemps, c'est probablement une des finales qui vont se rappeler, des dernières années. Il y avait Rimouski aussi qui avait vraiment une grosse équipe qui avait gagné la saison régulière aussi. Puis on les a affrontés. Puis on avait une grosse rivalité là, parce qu'on joue dans la même section. Fait qu'on joue des games hors concours contre. On joue 8 games durant la saison. Là, tu arrives en playoff. Fait que ça fait à peu près 12-13 fois que vous rencontrez durant l'année. Fait que tu as le temps d'haïr les gars pas mal. Puis tu arrives en série une game, un 4-7 de même quand tu te rends en 7e. Septième game, 2e prolongation, c'était une grosse série. Je pense que les partisans avaient beaucoup aimé aussi cette série-là. Au moins, vous avez eu l'occasion de vous reprendre dans la coupe à la Coupe Memorial. Ouais. Finalement, votre parcours s'est terminé contre Kelowna en demi-finale. Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est sûr, se reprendre, je dirais pas ça de même. J'aurais aimé mieux gagner la Coupe du Président. Une deuxième chance. Ouais, c'est ça. C'est nous autres qui les a éliminés au moins de la Coupe Memorial. Mais ça, c'est bizarre un peu comment le format de la Coupe Memorial était fait parce que, dans le fond, quand tu suis la saison de la Ligue canadienne puis que tu perds en prolongation, tu as un point. Mais à Coupe Memorial, nous, contre Oshawa, on est allé en prolongation puis on a perdu 0 point. Si on avait ce point-là, on passait direct en demi-finale. Fait que là, on s'est ramassé à jouer la game éliminatoire contre Rimouski. La veille, on avait joué contre Rimouski. La game éliminatoire, le lendemain, contre Rimouski. Puis en plus de ça,
on a rejoué une troisième game en trois soirs en demi-finale contre Oshawa. Puis, tu es rendu là, t'as pas d'équipe de piétillerie, là. Fait que jouer un 3-3 quand tu aurais pu passer direct en demi-finale, je pense que ça a été mortel pour nous autres. Puis Oshawa, il y avait une bonne équipe. Il y avait Draisaitl dans l'équipe, Madison Bowie, Josh Morrissey. Fait que... Là, il y a François Polquin aussi qui dit qu'il y avait Anthony Cirelli. Ouais, qui jouait pour Oshawa, ouais. Puis il dit que c'est lui qui a marqué le dernier but de l'histoire du Colisée Pepsi en overtime. J'imagine que c'était le match de la finale. Oui, exact. Je m'en souviens pas si c'était lui qui avait marqué. Là. Mais ouais, il jouait pour Oshawa qui avait une bonne équipe aussi. Là. Michael McCarron était là. Il était gros aux autres. Une grosse équipe. Et quand même de jouer contre des gars comme Draisaitl, quand tu regardes une game à télé des Oilers après ça, tu disais que j'ai joué contre ce gars-là. Ah oui, il est dur à tasser. Alors, il se tient debout de ses patins. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, dans le fond, je jouais tout le temps les premiers piqués avec Graves. Puis quand on fait le meeting de piqué avant la game, on regardait le power play à Oshawa. Puis notre coach de piqué, il me dit, c'est moi qui étais de son bord, il dit, monte pas trop haut dessus. Il shoot jamais, il fait tout le temps des sauces across dans le centre. Mm-hmm. Premier piqué de la game, il reçoit une passe, je me dis, je monterai pas trop haut dessus. Pogne la pin, pinks, rentre au banc. Finalement, il shoot, lui, on va monter dessus. Oh, nice. Puis, t'en as parlé un petit peu entre-temps, mais t'as fait un camp là, de l'Avalanche du Colorado. J'ai même une petite photo pour ça. Ah oui, avec Bordeleau. Avec Bordeleau, yes. Hein. Moi, je n'ai pas demandé de dropper, que tu veux pas. La question s'en vient. Non. Mais c'est-tu le seul camp que tu as fait? C'est en quelle année, ça? Oui, c'est après, dans le fond, en 2015, après l'année de la Coupe Memorial. Okay. J'avais eu une bonne saison cette année-là. Honnêtement, j'avais eu du début jusqu'à la fin, là, vraiment une année constante. Je m'étais vraiment bien préparé pour cette année-là. Je voulais faire ma place aussi. Fait qu'après la saison, j'avais été invité au camp du Colorado, qui, soit dit en passant, là, je vois les questions, là, vraiment, vraiment une belle expérience. J'étais dans le fond la même année que Rantanen a été repêché, fait que j'ai fait le camp de développement à l'été. Ouais. Fait que cette année-là, dans le fond, on a commencé avec les remparts, jouer les games hors concours. C'est rendu jusqu'à début juin, la Coupe Memorial. J'avais joué exactement 99 games. Plus les pratiques, l'entraînement, le voyagement, l'école. J'ai pris 10 journées off, puis la journée, dans le fond, que la saison est finie, c'est comme si mon corps avait shut down complètement, puis qu'il disait, là, c'est terminé, tu relaxes. J'ai été comme 10 jours presque incapable de marcher, là, j'étais raqué de partout. Puis, j'ai pas pu m'entraîner, fait que je pars comme 2-3 jours après, ou une dizaine de jours après, au camp de développement du Colorado. J'arrive là-bas complètement out of shape, là, brûlé raide. J'ai vu des gars comme Rantanen, McKinnon, Jérôme McGinley était là. Fait que vraiment, vraiment une belle expérience. As-tu la chance de parler un peu avec ces gars-là? As-tu une petite histoire d'interaction que t'aurais eu avec eux? Ouais, ben un peu avec McKinnon parce que lui, il avait joué avec Fical. Fait que, tu sais, avec nos poches de hockey, il voyait que j'avais une poche des remparts. Fait que j'avais parlé un petit peu avec parce que, bon, il savait exact qu'il était dans notre équipe. Là. Honnêtement, ça a vraiment été une belle expérience. Tu vois un peu comment les gars s'entraînent. Puis tu vois, tu sais, mettons, Jérôme Higgin là, il s'entraîne vraiment pas de la même façon. Il s'entraîne vraiment pas de la même façon que peut-être les plus jeunes. Où est-ce qu'il suit vraiment le protocole de l'entraîneur hors glace, mais tu sais, Ginla, c'était vraiment old school un peu, là. Il faisait pogner des barbells, puis il faisait des shrugs, puis des trucs qu'on fait pas vraiment aujourd'hui. Puis McKinnon, à cette époque-là, est-ce qu'il était déjà là, sur son régime alimentaire? Ben oui, c'est une boule. C'est une boule de muscle, puis il tourne sur un dixième, puis il accélère comme c'est pas possible. Fait que non, c'est ça. En tout cas, c'est impossible d'avoir un bon gap contre McKinnon. Oublie ça. T'avais-tu d'autres questions par rapport peut-être aux juniors? Je voulais peut-être poser des questions un peu pour sur les perspectives professionnelles, ces choses-là, Dave. Ben, vous avez parlé un peu tantôt, tu parlais du centre Vidéotron. Hein? Ouais, ouais. Honnêtement, je vais peut-être te surprendre avec ça. Là. Mais moi, je préférais jouer au Colisée Pepsi. Ouais. Le monde sont quand même assez surpris quand je dis ça. Là. La raison, c'est quand même simple. C'est comment que le centre Vidéotron est fait. C'est tellement large. Puis
c'est ouvert, là, que tu sais, la personne en haut de toi, genre à un kilomètre, là, c'est vraiment l'autre. Tandis qu'au Colisée, c'était fermé, puis les estrades étaient quand même vraiment proches de la glace. Fait que pour l'avoir vécu à 16 ans quand tu vas jouer au Colisée, puis que c'est la première fois, là, c'est très, très, très intimidant pour l'adversaire. Là. Puis l'ambiance était vraiment meilleure, je trouvais, moi, au Colisée Pepsi. Là, c'est peut-être circonstanciel parce qu'on avait des meilleures équipes quand on jouait là. Mais non, c'était vraiment. C'est sûr que les deux expériences, on s'entend, je me plaindrai pas. Là. C'est vrai que j'ai vu un peu quand même que le nouveau centre Vidéotron, là, que on a l'impression que c'est un aréna un petit peu plus grand, puis quand il y a moins de monde, ça paraît encore un petit peu plus. Ben, tu sais, je sais pas combien qu'il rentre, rentre 16 000, je pense. Fait que tu sais, une équipe junior, quand tu as 10, 11 000, 12 000, c'est d'un crissement bon. Mais reste qu'à 10 000, t'as le stade il est plein un petit peu plus qu'à la moitié. Là. Fait que, tu sais, moindrement que le monde sont éloignés un peu, mais je pense que l'ambiance fait en sorte que, un, le monde sont moins dedans, puis au Colisée, ben, t'as un petit peu moins de place, fait que ça a l'air plus plein aussi. Ouais. Alors, j'avais peut-être une petite photo, juste comme ça. C'est, dans le fond, à 20 ans, ouais. T'as été honoré là, pour... c'est ta dernière partie là, avec les Remparts à 20 ans, ça? Oui, exact. Dernière partie, oui, à maison. Et le monsieur à côté, c'est-tu... moi, je trouvais qu'il ressemblait à Woody Harrelson. Ça n'a pas rapport, hein? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas ton père ou c'est... Ben, il y avait mon père et ma mère, puis après ça, c'est quelqu'un qui était dans l'organisation des Remparts. Non, c'est ça. C'est bon. Good. On va espérer qu'il l'écoute pas. C'est ça. On a trouvé son sosie. Mais ça, je voulais savoir un petit peu, là, quand même, tu as fait un camp. Cette année-là, en plus, tu avais 18 ans, quand même, avec tous les joueurs que vous avez été chercher. T'avais quand même ta place dans le line-up. Tu sais, des fois, les joueurs un petit peu plus jeunes, ces années-là de championnat, quand les équipes sont boostées, ont un peu moins leur place. T'as quand même eu ta place jusqu'à la fin, une bonne saison, tout ça. T'as quand même dû être dans l'œil des recruteurs. C'est un peu là où que je veux m'en aller. Mais est-ce que tu as eu des approches, là, peut-être par des équipes après ce camp-là ou des perspectives à la fin de ton stage junior pour être dans une chez les professionnels? J'avais eu peut-être l'opportunité d'aller au camp des Rangers l'année d'après, mais ça avait comme tombé dans l'eau un peu. Là. Je m'étais déchiré deux ligaments au genou cette année-là. Fait que c'était peut-être pas la meilleure option. Là, j'aurais dû y aller dans le fond. Mais avec mon agent qu'on disait d'aller à un camp plus ou moins prêt, là. Laisser une mauvaise impression, une mauvaise carte de visite, c'est pas nécessairement mieux que se pointer pour avoir l'expérience, là. Surtout quand que dans ces années-là, tu étais à la recherche d'un contrat, fait qu'on avait pris la décision de peut-être pas se diriger pour ce camp-là, puis de juste revenir junior, avoir une bonne année, me préparer pour ma dernière année junior. Puis après ça, on avait des pourparlers, c'est sûr, pour jouer professionnel. Finalement, tu t'es dirigé avec les Patriotes de l'UQTR, Université de Trois-Rivières. Ouais, ben c'est un peu circonstanciel parce que j'avais l'option de signer un contrat un an dans la Ligue américaine. C'était comme plus, je te dirais, un contrat de try-out un an de temps, puis après ça, on voit comment que ça va avec l'Avalanche. Mais c'est l'année que Las Vegas est arrivé dans la Ligue nationale. Fait qu'on se ramassait avec 31 équipes dans la Ligue nationale, 30 dans la Ligue américaine. Puis la Ligue américaine de Colorado, cette année-là, n'avait pas eu une super année. Fait qu'il avait comme dit à Chicago, de céder leur club école à Vegas, puis ils avaient dit à Chicago puis au Colorado de splitter une équipe ensemble. Fait que là, à la place de donner le contrat, ils en rachetaient. Fait que là, ils m'avaient donné l'option d'avoir un contrat two-way, fait que East Coast Ligue américaine. Puis junior majeur, on accumule des bourses universitaires là, pour aller à l'école. Puis en tout cas, moi, dans mon contrat, j'avais comme le droit au double. Puis moi, de même que je jouais une game pro, je perdais la moitié de mes bourses universitaires. Fait que, tu sais, tant qu'à aller jouer dans East Coast, je m'étais dit, je vais aller jouer à l'UQTR, tu sais, je vais finir mon université. Puis après ça, je verrai c'est quoi les options, si je veux jouer pro ou pas. Puis finalement, après un an à l'université, j'avais vraiment pas aimé ça. J'avais pris la décision de retourner chez nous, finir mon université à l'Université Laval. Puis je me suis dirigé vers le semi-pro. Ouais, fait que c'est, dans le fond, c'est un peu la question qu'on pose tout le temps, là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec la Ligue américaine?
comment est-ce que ça s'est fait? Disons, là, c'est toi un peu qui a pris la décision là, de retourner à l'Université Laval, mais comment est-ce que ça s'est fait, l'approche du coach? Je pense que c'était déjà Raymond de la Roseville à cette époque-là, ouais. Le GM. Fait, comment est-ce que ça s'est fait un peu son approche vers toi? Là, je sais que c'est eux qui t'avaient repêché, donc déjà, je pense qu'ils t'avaient déjà ciblé, là, mais comment est-ce que ça s'est passé, le recrutement de Raphaël Maheu chez le coach? Ben, tu sais, après ma première saison à l'UQTR, moi, je me suis tout le temps dit que la journée que je me pose une question sur le hockey, si je veux jouer une saison où je suis pas certain, c'est probablement que c'est le temps d'arrêter parce que je me suis dit, si tu joues une saison de trop, tu vas venir que tu haïs ton sport, que ça fait 20 ans que tu joues. Fait que moi, je me suis dit, l'année que j'ai un questionnement, tu sais, changement de plan, puis tu sais, je veux pas venir à haïr le hockey. Fait que je suis allé à la deuxième année, à la première journée, là, c'est un get together, là, fait qu'on fait les tests physiques, puis on pratique. Puis, écoute, après les tests physiques, j'étais allé voir coach, je lui ai dit, écoute, j'étais déjà tanné, fait que j'ai dit, écoute, je reviens pas cette année, là. Puis comment j'ai fait, dans le fond, ben, il y avait un journaliste un peu des remparts qu'on suivait, ben, en fait, il était vraiment gentil, là, il était jeune, puis on s'entendait bien. Fait que, tu sais, je lui avais dit que je retournais pas à l'UQTR pour, justement, dire que j'allais peut-être aller dans le senior, fait que, de même, j'ai pu avoir un peu l'attention des dirigeants dans la ligue que bon, j'avais de l'intérêt à venir avec eux. Puis c'est là que tu sais, j'ai parlé un peu avec certains GM dans la ligue, puis que tu sais, j'avais des bonnes conversations avec le Cool FM. Puis de Québec aussi, ça se fait bien, un record. Ouais, moi, je leur avais dit que s'ils me repêchaient, j'allais venir puis j'allais jouer. OK. Fait que j'imagine que quand même t'es content que ce soit eux qui ont eu tes droits. Ben oui, bien sûr. T'as-tu dit que tu suivais un peu le draft, savoir quelle équipe de la Ligue nord-américaine allait te repêcher cette année-là? Ouais, je le suivais. Puis la première personne qui. Ça, j'y ai dit en plus à Piper, là. Trois ans. La première personne qui m'écrit sur Messenger, Piper. Mais c'est qui ça, Piper? Je sais pas. ça rentre dans mes messages indésirables. Fait que là, après ça, j'y ai dit à Piper, j'ai changé ton nom. C'est écrit au gars pour peut-être qu'ils viennent joindre nous autres, puis les gars, ils te répondent pas à cause de ça. sur Facebook, c'est Piper Coutier, c'est ouais, ça? Exact. Ouais, exact. Je pense encore ça, ouais. Ah ouais, okay. Ouais, je pense pas qu'il a changé, mais ouais, mais justement, là, grâce... t'étais le premier choix là, de Saint-Georges cette année-là, là, donc t'avais vraiment ciblé. Là. J'imagine qu'eux aussi ont dû, si on posait la question à. On l'a pas encore eu sur le podcast, que ça pourrait être un bon invité, là, Raymond, mais j'imagine que lui a dû être content parce qu'eux, ils n'avaient pas de choix de première ronde cette année-là. Ils commençaient la deuxième ronde. J'imagine qu'ils ont dû être contents de voir que, dans le fond, que tu étais encore disponible. Ah oui, et puis surtout, honnêtement, c'est le nerf de la guerre un peu dans la ligue là, de repêcher des gars qui vont venir jouer, puis ça ne sera pas des gars de liste. Là. Fait que, tu sais, en partant, un gars, tu sais, j'avais quoi, 21 ans, je pense. En partant, un gars de 21 ans, qu'il sort du junior, il joue un an universitaire, qu'il dit qu'il va venir jouer. surtout qu'on s'entend, il était pas mal en reconstruction un peu cette année-là. Ouais. Fait que, non, c'est le nerf de la guerre dans la ligue, tu sais. Il y a plein de gars sur nos listes qui jouent en Europe, puis des fois, il y en a qui viennent jouer quelques games, une demi-saison, qui repartent. Fait que, tu sais, les bonnes équipes réussissent à drafter des gars qui jouent, là. Il y a quelques joueurs qui nous avaient dit aussi là, que ils ont été à l'université. Finalement, se rendre compte aussi que comme pas de salaire quand tu es à l'université en même temps, peut-être pour payer les études, ces choses-là, la Ligue nord-américaine, c'est une bonne option. Est-ce que c'est quelque chose que tu as considéré aussi de ton côté? Ben, c'est sûr, ça fait partie du calcul, mais comme je vous disais, moi, j'avais les bourses universitaires, fait que jouer à l'UQTR, ça me coûtait rien, puis je suis chanceux, j'avais mes parents qui étaient là aussi pour me backer, mais c'est pas évident, là, tu vas à l'université, t'as 22, 23 ans, ça te coûte ton appart, ça te coûte ton internet, ça te coûte tes assurances, ton gaz, ton char, puis au final, la seule affaire que tu fais, c'est que tu vas à l'école, tu pratiques. Tu voyages, tu joues au hockey. Tu sais, c'est pas évident, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le supporter. Fait que c'est le fun. Pas tout le monde qui a des bourses non plus. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, les bourses juniors viennent vraiment nous aider, puis les scholarships qu'on a aussi. Là. Mais reste qu'au final, que je joue semi-pro ou que je joue à l'université, c'est pour ça que je les ai pareil. Fait que, tu sais, on parle quand même de beaucoup, beaucoup de sous par année. Là. Fait que c'est sûr que c'était pas mon critère numéro un de décision, là, mais ça fait quand même pencher dans la balance quand que la journée, tu te rends compte, tu te dis, ouais, bon, il y a des bonnes chances que je joue pas dans la Ligue nationale. Fait que qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu commences à penser à ça aussi. C'est en quoi que tu as fait tes études? Moi, j'ai étudié en finance.
Oui, j'ai fait un bac en finance. Parce que là, si on regarde ton métier, tu es courtier hypothécaire, est-ce que c'est lié un peu à tes études ou... Ben, honnêtement, je pourrais faire ce job-là sans mes études, mais c'est certain que ça m'aide quand même. Puis, tu sais, mon beau-frère est CPA, présentement, il travaille comme fiscaliste aussi à Revenu Canada. Fait que c'est des sujets de conversation qu'on a beaucoup au niveau de finances, fiscalité. Fait que je te dirais que non, tu sais, je peux faire mon métier sans avoir ce bagage-là, mais c'est sûr que c'est un gros plus. Mm-hmm. Puis, as-tu déjà pensé à aller essayer de jouer en Europe dans des ligues là-bas? Non, ça ne m'intéressait pas tant, honnêtement. Beaucoup de gars qui, honnêtement, ils reviennent et ont vécu des belles expériences, puis ils ont joué en France, mais tant qu'à aller jouer pour faire de la plaisance, je me concentre sur d'autres objectifs ici. Non, mais c'est pas un gars de voyage non plus. C'est aller là pour faire des petits voyages. Là, ouais. Ouais. C'est pas ça. Puis ça, je dis ça sans aucune rancune à tous les gars qui ont joué en France. Ouais. Mais reste que tu vas pas jouer en France pour dire que c'est un tremplin pour jouer dans la ligne américaine ou dans... Ouais, fait que, non, fait que, tu sais, tant qu'aller visiter en France, je vais revenir ici, je vais starter ma vie, puis si je vais aller visiter, ben j'irai. Puis peut-être une autre carrière que tu mènes en parallèle, mais tu es un crossfitter, on dit tout ça de même. Un athlète de crossfit. Ouais. Donc, ben là, j'ai slacké pas mal, là, mais. Yeah. Ben, c'est quand que c'était venu, ça? J'ai commencé pas mal en même temps que j'ai quitté l'université. Fait que dans le fond, durant l'été ou Noël? Ouais, durant Noël, dans le fond, on a un break à l'université de comme un mois et demi. Fait que là, je me suis dit, j'étais à la maison, j'ai dit, crime, faut chaud, une façon de rester en forme pour en revenir, mais que la saison recommence. Puis, fait que, écoute, je suis allé au gym, j'étais un gars quand même assez craqué dans l'entraînement, là. Tu sais, j'aime ça me dépasser. Fait que, j'avais déjà fait un peu de crossfit. Fait que, j'étais allé au gym le plus proche de chez nous, puis, tu sais, j'ai rencontré un bon ami présentement, là. Qui m'avait initié, puis écoute, j'ai pogné la piqûre, fait que quand j'ai quitté l'université, je me suis mis à faire ça pour un temps plein. J'ai vu que dans tes photos, tes messages, tu étais aussi ami avec Caroline Reason Thibault, qui est un athlète. Caroline Reason Thibault, qui est une athlète de CrossFit aussi quand même reconnue. Ouais. C'est elle qui t'a poussé un peu aussi, là. Est-ce que tu t'entraînes avec elle au même gym? Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas vraiment Caro. T'sais, je savais c'était qui parce que ça a été. Elle est allée 6 fois aux Games, puis elle a comme gagné 3, 4, 5 fois en ligne, la fille la plus en forme au Canada. Mm. Au début, je ne connaissais pas. Ben, je ne connaissais pas personnellement. Mais je te dirais que dans les 2 dernières années, on est vraiment très proches, en fait. On est vraiment des bons amis, puis on se parle pas mal tous les jours. Fait que dans les dernières années, c'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidé. En fait, ma saison complète l'année passée, c'est elle qui me coachait. Puis je t'avais montré une image là, après chaud. J'aimerais ça que tu l'expliques peut-être aux gens. J'avais vu sur le site là, des CrossFit Games, dans le fond, t'as fait des essais là, pour participer au championnat de CrossFit? Ouais, c'est ça exact. Mais dans le fond, il y a plusieurs stages qu'on appelle là, des étapes. Fait que le premier, c'est l'open. Fait que tout le monde peut s'inscrire. Puis les workouts que les CrossFit Games programment, c'est souvent des workouts qui sont plus accessibles pour tout le monde. Puis les mouvements qu'on peut modifier aussi. Fait que ça, comment ça fonctionne, c'est que tu t'inscris puis tu fais les workouts en ligne, puis tu dois te filmer. Puis s'ils veulent valider ton score, ben il faut que tu soumettes ton vidéo. Là. Puis comment ça fonctionne, c'est que les 10% les 10% les meilleurs dans ta région, fait que nous l'an passé c'était en nord-américain, mais là tu vas passer au quart de finale, puis là rendu au quart de finale, t'as l'option soit de le faire individuel ou en équipe. Fait que moi j'ai passé au quart de finale, puis j'avais pris l'option d'y aller en équipe. Puis en équipe, comment ça fonctionne, c'est que faut que tu finisses dans le top 60, je pense, nord-américain là, de mémoire, ou 80. Puis ensuite de ça, tu vas aux demi-finales qu'ils appellent. Puis les demi-finales, c'est souvent 4 places nord-américaines. Fait qu'il y a 2, 3 compétitions aux États-Unis, puis une à Montréal. Puis là, rendu là, c'est le top 5 qui va se classer pour aller aux Games. Fait que nous, en 2021, on avait fini 6e. Puis 2022, cette année, on avait réessayé, mais on ne s'est pas classé non plus. C'est quand même impressionnant, ça,
J'imagine que ça doit prendre une bonne discipline faire ça parce que CrossFit, c'est quand même. Je veux dire, j'ai pas l'impression que j'aurais ça dans moi être capable de faire ça. Ouais, avec le hockey, la fin de semaine, le travail, le CrossFit, j'imagine qu'il faut que tu fasses ça quoi 5 fois par semaine aussi. Ouais, ben je m'entraînais 6 jours semaine. Fait que là, cette année, j'ai vraiment slacké beaucoup. Là, la vie elle change, là, mais mes 3 premières années dans la ligue, dans le fond, c'est je m'entraînais absolument tous les jours. Je m'entraînais même le matin des games, vendredi, samedi. J'allais au game le soir, j'en revenais dimanche, c'était ma journée de congé. J'étais capable de supporter ce rythme-là parce que, bon, Québec, c'est central un peu, là, toutes les places, les seules places qu'on a à conduire puis on covoiturait, c'était Saint-Georges, peut-être Ford. Fait que tout le reste, on le fait en autobus. Fait que ça se fait bien, mais là, la vie a changé. Fait que un petit peu moins de temps pour ça, travaille plus, puis j'étais un petit peu plus éloigné là, présentement. Fait que j'ai un peu moins de temps pour ça. Mon corps m'a envoyé des signaux dans la dernière année que je dois respecter. Puis c'est correct de même. J'essaie quand même de garder pas si pire en forme. Là. Je suis loin de ce que j'étais, mais j'ai une résolution 2023 là, que j'ai pas encore commencé, mais je vais commencer dans pas loin. M'en mettre en forme. Ouais, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale à un moment donné quand on en donne, j'imagine. Ouais, ben tu sais, l'an passé, j'ai joué 4 games dans l'année, puis il y a une raison, c'est que j'ai été blessé, j'ai eu mal vraiment longtemps, puis j'ai dû quand même vraiment limiter ce que je pouvais faire au gym pour récupérer, puis c'est une blessure qui a été très très longue à récupérer. J'avais encore mal cet été, j'ai arrêté complètement 3 mois de temps de m'entraîner parce que j'étais écœuré, j'étais plus capable, j'avais mal, j'avais tout le temps mal. Puis après le 3 mois, ça a vraiment fait du bien. Là. J'ai pris du poids, mais ça a vraiment fait du bien à ma blessure. Puis là, ça a l'air. Tu sais, j'avais recommencé à m'entraîner, puis c'était correct. Je le sentais de temps en temps, mais c'était soutenable. Puis tu vois, j'ai recommencé à patiner cette année. Puis j'ai pas mal. Là. Fait que on va espérer que ça continue. Good. C'est ça, pour les fans du cool. Là. Parce que t'es quand même un des défenseurs principaux là-bas. Là. Moi, je voulais savoir, dans le fond, tu dois t'en faire parler beaucoup là, ces temps-ci. Là, mais, là, on s'en allait là. Ouais, mais, c'est ça. Mais je viens faire un intro, je voulais dire, on s'en va dans la chronique mondaine. Tu sais, dans le mondaine de l'émission. Malgré toi, tu es dans une relation qui est quand même avec une personnalité publique. Là. Les questions commencent à fuir aussi sur le chat. Là. Il y a des gens. Ouais, c'est ça, j'ai regardé un peu à droite. Là. On arrive là. C'est ça, fait que dans le fond, ta copine Marianne Saint-Gelais, là, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ben, c'est une médaille olympique là, en patinage de vitesse pour le Canada. Puis maintenant, je pense qu'elle a une émission de radio, puis dans le fond, elle est quand même souvent à télé. Comment est-ce que ça s'est fait, cette rencontre-là? Là? Est-ce que vous vous connaissiez déjà de quelque part ou c'est vraiment comme un add-on ou que... C'est un peu un addon, puis c'est drôle parce que t'as apporté tantôt t'as parlé de Caroline. Caroline la connaît quand même bien, Marianne. Puis je sais pas trop pourquoi. Il y a une journée, il y avait quelque chose qui avait passé sur les réseaux sociaux, puis j'y avais dit présente-moi l'addon. Elle m'avait dit non, tu sais, Caro est elle-même, là, tu sais, son rôle, c'est pas d'être Cupidon, là. Fait que, elle m'avait dit non. Puis comme 3 semaines, 1 mois, peut-être 5 semaines après. Pour aucune raison, Marianne a liké une de mes photos sur Instagram. Fait que moi, j'ai... Oh shit, c'est ma chance. J'ai laissé ça aller. Faites mon indépendant parce que, tu sais, j'étais pas facile, moi, là. Pas facile. Fait qu'après ça, j'ai liké une de ses photos, on s'est suivi un peu, puis on a commencé à se parler ensuite. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Il y a des petites questions dans le chat. Là. Quelqu'un qui demande vit-il au Saguenay avec Marianne? Donc, on sait que, je pense qu'on a vu qu'elle était retournée dans son coin. Elle vient de là. Mais toi, es-tu encore à Québec ou. Non, ben là, je te dirais que non, je suis rendu avec elle au Saguenay. Là. Fait que tantôt, quand je te disais que Québec c'était central, puis que.
toutes les places se faisaient bien, ben là, c'est une des raisons pourquoi j'ai un petit peu moins de temps pour m'entraîner, c'est que c'est beaucoup plus de voyagement, puis honnêtement... La vie change, c'est ça, la vie change. Non, c'est ça, exact. On travaille plus, c'est sûr, puis le voyagement me rentre plus dedans que je pensais. Mm-hmm. Je te disais que mes 2-3 premières années, je m'entraînais 6 fois semaine, puis le matin, des games, puis je le sentais pas, puis c'était correct. Ouais. La réalité, c'est que là je le sens. Je reviens le dimanche... On revient dimanche assez fatigué, puis lundi matin, ben là, ça dépend des périodes. Ma job, c'est plus par période, mais lundi matin, quand j'avais à me lever à 6 heures, des fois, pour aller au gym, c'était pas évident. Fait que non, j'ai un petit peu moins de temps pour ça. Mais tu sais, c'est un beat à prendre aussi. Là. Ouais, mais est-ce que, je veux dire, il y en a une équipe au Saguenay dans la Ligue nord-américaine? Ben là, j'ai vu ça dans le chat aussi. ouais, j'ai vu tantôt. Ouais. Moi, je voulais savoir, là, tu sais, chronique mondaine, donc journaux à potins. La première fois que ta copine a mis une photo, là, je sais pas, sur Instagram, puis là, ça a probablement été repris là, par... des blogs, là, puis des... peut-être séjour, vous étiez peut-être dans le séjour aussi. Ah, oui, dans le séjour, dans toute la city, dans ces affaires-là. Le plus, c'est que ça n'a même pas sorti, mettons, la première photo qu'elle a mis, là. Ça a sorti une journée vraiment à part. J'avais même pas regardé, c'est ma soeur qui me l'avait envoyé, mais j'étais sur mon Instagram, puis écoute, j'avais du monde qui me suivait, là, sans bon sens. c'est ça. On parle pas de bon sens. Tu sais, moi, je me dis, bon, c'est peut-être des faux comptes sur Instagram. Je regarde pas le monde un par un. Puis là, ma soeur, le soir, elle m'envoie ça dans 7 jours. J'ai ça. Je viens de comprendre. À cette heure, quand j'ai ça vient par vague. Hein, quand ils parlent d'elle, des fois, puis là, mon nom effleure. Là, quand je vois que sur Instagram, j'ai 10, 12, 15 personnes qui me suivent en ligne, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a de quoi, c'est quelque part qui est sorti. Fait que là, ton nombre d'abonnés a augmenté, mais. Tu sais, le fait, là, peut-être d'être un petit peu plus dans le star system, si on veut. Est-ce que tu reçois des messages de monde par rapport aussi? Non, pas du tout. Des affaires, non? Non. Non, non, puis tu sais, Marianne, elle ne suscite pas la haine envers les gens non plus. Là. Tu sais, elle est appréciée du public. Fait que les gens qui me suivent, c'est du monde qui l'apprécie. Puis je me fais pas harceler. Là, je reçois pas de messages. Justement, vu que le monde respecte la vie privée. Le monde aurait pu dire, fais attention, on l'aime au Québec. mais j'en reçois pas, pour être honnête. Là. Mais tu as quand même été un joueur aussi des Remparts de Québec. Puis je pense qu'à Québec, les Remparts sont une religion. J'aimerais ça que tu élabores là-dessus parce que je suis pas sûr qu'il y a présentement à l'écoute. Fait que tu pourrais dire que. Moi, tout, c'est quelqu'un. Puis... Ouais, je veux dire, c'est pas toi qui sors avec Marianne Saint-Gelais, c'est Marianne qui sort avec un joueur des Remparts. Peut-être que dans le coin de Montréal, c'était, mais dans le coin de Québec, c'était c'est ça, exact. L'ancien des Remparts et maintenant avec la 20e. Peut-être que, justement, peut-être qu'elle aussi, son nombre d'abonnés a fait ça quand c'est sorti avec Raphaël. Mais ce qui est plate, c'est qu'elle se fait plus reconnaître à Québec que moi. Là. Ah ouais? Ouais. Ah. Ouais, j'ai une bonne petite anecdote en plus tantôt. Là. Non, ben, vas-y, on est là-dedans. Let's go! On est dans mon chalet présentement, puis on a comme une machine à eau, puis là, la bonbonne était vide, puis j'ai mes neveux qui sont là, puis tout. Fait que on va aller chercher au dépanneur du coin un autre truc d'eau. Fait que Marianne est en pyjama parce que c'est le temps de Noël pis tout. Fait que moi j'ai fait une petite blague, j'ai dit on s'en va à Lévis, puis tabarouette, c'est loin, on va pas là. Je dis non, c'est une joke, on va au dépanneur du coin. Puis là, elle voulait pas sortir parce qu'elle était en pyjama. Elle dit ici, je vais sortir, il y a personne qui va me reconnaître. On est comme dans une petite municipalité. On sort, puis j'arrive à la caisse, puis la madame elle regarde, elle dit hey, c'est Madame Saint-Gelais, ça. Oh, elle était loin en arrière. Je dis ouais, c'est elle en personne, puis elle est en pyjama. Ouais, c'est drôle. Tu sais, c'est quoi? Est-ce qu'elle te parlait parce que elle pensait que tu étais comme un client? Là, puis là, c'est-tu. Non. Ouais. Je sais pas si ça savait qu'on était ensemble. Là, Mais dernièrement, là aussi, vous avez. Il y a eu un tournage là, au centre la Croix du Tir, plus tôt cet automne. Une petite photo, c'est pour ça. Et voilà.
Et je pense que c'était comme à la fin de la partie, avec trois joueurs, dont toi, vous avez fait comme une clinique là, de patinage de vitesse, c'était ça? Ouais, mais tu sais, dans le topo, dans leur montage, ils avaient demandé si c'était possible, mettons, de faire une course joueur de hockey contre Marianne, patinage de vitesse. Fait qu'évidemment, après la game, ils ont fait la glace, puis on l'a fait. Écoute, on a vu, ben là, sur le montage, on était comme les quatre sur la ligne, puis on était coincés un peu. Fait que c'était pas vraiment représentatif des autres courses qu'on a faites. Mais honnêtement, on fait sur un tour, c'est pas si pire, on n'est pas si loin en arrière parce que le temps qu'elle prenne sa vitesse, mais mettons, on aurait fait trois tours, d'après moi, elle nous l'appelle. Là. Elle faisait un tour de plus que nous autres. Ah, ouais. Et ça fait 4 ans quand même qu'elle a pris sa retraite. Là. Elle s'est un peu en forme pour faire du patin, mais on la regardait juste se réchauffer puis glider, puis on se disait, oh, si boire, elle va vite. Mais alors, as-tu des patins de hockey ou des patins de. Patins de vitesse. Tu as déjà essayé les patins de vitesse? Non, j'en ai pas. Ah non, leur bottine, c'est petit, là. Ouais. Ça me prendrait. Ouais, il faudrait genre je me fasse un fit custom. Là. Ouais. Mais on y a laissé une chance, par exemple. Ben ouais. On a laissé une chance, on a tourné à gauche. Si on tournait à droite, c'est sûr qu'on gagnait. Ah, ok. C'était qui, lequel des joueurs là, qui était le plus proche, là, le meilleur patineur? Ben, pas mal tout égal, là, mais comme la deuxième course qu'on a faite, c'est qu'on a mis Bruno Carl puis Anthony de l'autre bord. Fait qu'ils sont partis comme de l'autre moitié de glace. Puis sur un départ, mettons, les 3-4 premiers pas, on était en avant, mais tu sais, moi, devant qu'on arrive dans le premier virage, c'est terminé. Là. Puis là, je te dis ça, tu sais, nous, on est quand même encore dans une forme pour patiner. Puis elle, ça fait 4 ans vraiment qu'elle touche plus vraiment à la glace. Fait que. Même quand elle était dans sa forme olympique sur le départ, elle doit être pas mal à côté de nous autres, puis encore plus rapide que ça d'un tournant. C'était-tu selon toi, c'était-tu les Bruno Carl puis Anthony, c'était-tu comme les patineurs les plus rapides du cours, puis c'est pour ça que vous les avez pris, ou tu penses qu'il y en a dans le cours qui patinent, qui auraient peut-être fait une meilleure course encore? Bruno Carl puis Tony, c'est des bons patineurs. Là, fait que, le écoute, TIF. Je sais pas c'est le qui, TIF, là-dessus, il était meilleur. TIF, d'après moi, avec un peu de vent d'amener au bord, il pense qu'il est capable de la battre. Mais non, écoute, il y a des bons patineurs dans l'équipe, là, mais j'ai pris des gars avec. Moi, Bruno Carl, j'ai joué avec quand j'étais tout petit. Là, depuis 6-7 ans, on joue ensemble. Fait que j'ai pris des gars que je connaissais super bien aussi. Là, Tony Verrette, même affaire, je connais depuis longtemps. Puis on pouvait pas, malheureusement, on pouvait pas être 12 dans le tournage. Mmh. Fait que non. Sinon, la partie du tournage qui s'est faite en studio là, avec Julie Snyder puis tout ça devant la foule, comment est-ce que tu as trouvé ça comme expérience? Ben, c'est cool, c'est le fun, honnêtement. Moi, je suis pas un gars qui est stressé dans la vie, fait que ça m'a pas vraiment stressé d'y aller, mais de voir un peu comment ça fonctionne, c'est hot. Parce que nous, dans le fond, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'ils font comme. Un pre-tape, fait que nous, on était une émission pre-tape, puis après ça, ils font l'émission en live. Mais l'émission pre-tape, honnêtement, puis ils sont vraiment sur la coche, là, ils reprennent rien, là. T'sais, ils font un petit peu de montage, après moi, pour l'émission qui est en live, s'ils ont débordé, mais c'est one shot, là. Fait que c'est impressionnant, pareil, de voir tout le monde qu'il y a derrière, qui prépare, que ce soit au niveau des micros, de la salle, là. Écoute, ils ont du stock là-dedans, là. Il y a du monde qui travaille vraiment fort. Puis de voir aussi, mettons, Julie, comment elle run ses affaires, puis elle déborde pas, puis c'est one take, puis c'est ça. Là. Fait que c'est assez impressionnant. Là. L'expérience là, dans un studio comme ça, tu passais de faire maquiller, est-ce que tu te fais diriger un peu? Comment que ça se passe? Ouais, ben on s'est fait, ils font coiffer, maquiller, là. Soit dit en passant, on m'a dit que j'avais une peau parfaite, fait que ça a été long de maquiller. Ouais, ça n'a pas été long. Non. Mais ouais, on fait. Comment? T'es sûr que c'est pas Marianne qui t'a dit ça? Ben non, c'est la fille qui met de la petite poudre dans la face. Bon. Puis. L'entend, je pense, en arrière, ça se peut-tu créer quelque chose? Là? Ouais, ça se peut. Il y a du reverb, il y a de l'écho. je voulais savoir un peu l'opinion de elle quand
dans le fond, j'imagine que ça a dû être au début, mais quand elle a su que tu jouais dans la Ligue nord-américaine, est-ce qu'elle savait c'était quoi? Est-ce qu'elle connaissait un peu la réputation? Est-ce qu'elle pensait que tu étais un gars qui se battait à cause de ça? Non, elle savait pas pantoute c'est quoi, mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'elle voulait me voir jouer au hockey, puis elle voulait être la blonde qui vient d'encourager son chum jouer au hockey, parce que ça a tout le temps été l'inverse, elle, tu sais, c'était tout le temps ses parents qui allaient l'encourager et tout, fait que non, c'est sûr qu'elle, elle veut que je continue à jouer au hockey, puis elle veut continuer à venir de m'encourager, mais elle connaissait, ben là, je pense qu'elle doit être rendue pas pire, là, avec mes parents, de connaître les règlements, là. Ouais. Mais non, elle connaissait pas du tout la ligue, puis elle savait que j'étais pas un batailleur. Mais je pense qu'elle a dit aussi, peut-être dans les reportages ou qu'est-ce qu'on dans les articles, là, qu'elle a quand même fait une belle découverte là, avec la Ligue, l'équipe du Cool FM. Ah, excuse, j'ai manqué ça. Elle a quand même dit dans des articles là, ou dans le reportage qu'elle a fait une belle découverte aussi là, de découvrir toi qui joues au hockey, là, mais aussi la Ligue nord-américaine puis le Cool FM. Ben oui, honnêtement, tu sais, moi, j'arrête pas de dire à tout le monde, c'est le temps une ligue qu'on entend en mal, parce que, en fait, tu vas avoir une bataille dans la Ligue nationale, ça va être bien vu, il va y avoir des articles partout dans le journal, tel joueur, bataille incroyable, mais ça arrive dans notre ligue, puis on se fait bâcher complètement. C'est une Christine bonne ligue de hockey, là. Il y a des bons joueurs de hockey là-dedans, là. Des joueurs qui ont joué dans le pro, des joueurs qui ont été draftés dans la Ligue nationale, qui ont même touché à la Ligue nationale. Tu sais, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas pris le même parcours que d'autres, là. Puis ils ont décidé que bon, fallait qu'ils mettent la vie familiale devant, le travail, mais qu'ils continuent à jouer du hockey. Puis on est encore capable de jouer au hockey, là. C'est une bonne ligue de hockey. Là. Fait que ça, je trouve ça un peu dommage que notre ligue soit tout le temps vue du mauvais œil. Quand que, dans le fond, il y a des batailles dans la nationale, puis on voit des articles partout sur Facebook passer. Hey, c'est incroyable une bataille, mais moi, vraiment que nous autres, ça arrive dans notre ligue, c'est la fin du monde. Ouais, je pense que depuis le début de la saison, à chaque fois que Jack Hyde a dropé les gants, il y a eu des articles dans toutes les pages de ce qui suivent le Canadien. Ah oui, bien, ils montrent jamais des beaux jeux, par exemple. Tu sais, le monde dit tout le temps qu'on est une ligue de matamor, puis on sait pas jouer au hockey. Arrête, là, tu sais, va voir les line-up un peu de nos équipes, check les stats des gars. Du monde qui ont fait des points là-dedans, junior, puis c'est des bons joueurs de hockey, puis qui ont joué dans la Ligue américaine. Est-ce que c'était fait pour un peu rétablir ça, le reportage? Est-ce que c'était aussi un petit peu dans cette optique-là? Ben, c'est sûr que c'est pas nous qui le contrôlons un peu, qu'est-ce qu'ils font le reportage. Si ça avait juste été de moi, on aurait plus parlé de la Ligue et un petit peu moins de qu'est-ce qu'il y avait autour. Mais on s'en attendait un peu qu'au bout de l'idée principale, c'était de savoir un peu c'est qui le nouveau chum à Marianne. Mm-hmm. Puis en parallèle, bon, ils ont fait un topo sur la Ligue sur le coup, fait que c'est bien le fun. Mais non, moi, je trouve ça bien, en fait. Là. C'est une belle façon de dire au monde, allez voir c'est quoi avant. Là. Puis, si vous avez à passer des commentaires après, vous le ferez. Mais c'est plus ce qui est cet évolu 10 ans. Est-ce que vous avez eu des retombées, là, t'sais? Y a-tu du monde après ça qui vous en ont parlé ou qui ont dit « Ah, je connaissais pas ça » ou du monde dans la rue? Ben, vous autres, ça vous arrive, du monde qui vous apostrophe au dépanneur? Ouais. Ben, je pense que, tu sais, j'ai parlé un peu avec les propriétaires. Je pense qu'il y a une couple de... Ben non, même mes parents, je pense qu'ils ont croisé du monde, mettons, de Québec qui s'était déplacé un heure et quart en Beauce, puis qui me dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben j'ai vu le reportage, je vais venir, c'était quoi, voir un peu la ligue, qui allait voir, mettons, Donnacona jouer dans le senior. Mm. Les propriétaires aussi, je pense, ceux qui disaient, là, qu'il y a une couple de personnes qui ont croisé dans l'aréna, qu'ils étaient curieux un peu de voir, là. Mais on n'est pas capable de rien chiffrer. Okay. Ouais, à date, ça va bien. On vient plus au coup, là, niveau assistance, vous êtes deuxième dans la ligue cette année, 1700 personnes en fin de semaine passée. Ah oui, mais comme Loïc, j'étais pas là. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand t'as vu le Cool qui perd ses deux games contre Laval, tu t'étais pas là, tu sentais-tu mal un peu d'avoir manqué ces deux games-là? T'aurais pu faire que les résultats finaux auraient peut-être été différents? Bon, je suis pas prétentieux à ce point-là, là, mais non. Non, je pense pas que ça aurait été différent. Mais non, en fait, le 30, j'avais déjà dit que j'allais le manquer, puis c'était pour des raisons familiales. Puis écoute, comme je vous disais tantôt, c'est tough. C'est pas mal plus tough sur la route. C'était plus une game que je voulais prendre pour en profiter avec ma famille, vu que je suis plus loin, puis m'a reposé. Puis durant la semaine, le 29, c'est ça que j'avais dit à Larry. J'avais beaucoup de jobs à faire. Puis
dans le nouveau banquier 28-29, c'est pas mal les seules deux journées, amener le jour de l'an que c'était ouvert, là, fait qu'il fallait que je travaille. Puis en même temps, le parc il a été fermé le 29, fait que j'aurais même pas pu descendre même si je pouvais. Ah ouais. Tu vas être de retour au poste en fin de semaine. Oui, exact, de retour au poste. Fait que j'ai Loïc qui peut-être qu'il pensait que j'avais peur de lui. Là, mais... Sinon, j'avais pas mal passé toutes mes photos un peu à mesure qu'on jasait. Mais attends, je vais remettre celle-là. Hey, t'as pas de bon sens, ça. Pas trop de barbe dans ce moment-là. Ah non, puis des vieilles épaules pendantes aussi. Là. Mais sinon, celle-là que... Ah, ça, c'est avec... c'est, dans le fond, ta plus vieille photo Facebook que j'ai trouvée. Là. Ah, ça 2000... se peut, je pose pas tant que ça. 2011. Et avec, avec ta sœur et ta mère. Ou tes sœurs, ouais, je sais pas. Là. Tes sœurs? Mes sœurs, ouais. Ah, ouais, hein. C'est un bal de finissant, ça a l'air de ça. Ouais, exact. C'est le bal à ma sœur de gauche. OK. Donc, pour moi, c'est pas mal ça, les photos. Dave, peut-être on pourrait y aller avec là, tes questions à rafale. Yes. Ouais, de toute façon, en plus, tu as dit que tu étais préparé, fait que ça risque de bien aller. Ouais, non. Ben, je me suis préparé. J'ai écouté une couple de fois le podcast, puis j'ai un peu des bonnes questions. Là. J'ai pas de questions-réponses devant moi. All right. Fait que, petite question pour apprendre à mieux te connaître. Tu fais juste dire la première chose qui te vient en tête. Fait que ton idole au hockey? Crosby, évidemment, là, mais j'avais aussi Drew Doughty que j'aimais bien quand que je grandissais. Yes, ton athlète préféré en dehors du hockey, à part Marianne. Hey, mais c'est une bonne question, ça. Tu es un gars de football? Tu nous parlais de football un peu en pré-show? Ou... Non, mais, non, pas tant. Mm. Pas tant, c'est ça. Peut-être un athlète de CrossFit aussi. Ouais, je te dirais peut-être Tom Brady. Tu sais, tu parles de foot. C'est pas un gars de foot, mais c'est une question vraiment spécifique. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? J'en avais une plus quand j'étais junior. J'étais un petit peu plus superstitieux. Là, pas vraiment. J'attache mon patin droit avant le gauche, puis c'est pas mal tout. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est qui le coéquipier chez le cool que tu trouves le plus drôle? Drôle, je dirais, c'est serré, je te dirais, entre Verrette et Réaume. Ton coéquipier qui serait le plus en désordre, s'il y en a un. Le plus en désordre. Certainement pas Féludon. Ouais. non, Grim, ben, je sens une bonne question. Je ne le sais pas pour vrai. Je regarde pas vraiment ce que les autres font dans leur stall, s'ils sont en désordre ou pas. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Il joue avec des bons. Je te dirais peut-être Anthony Duclair, Adam Ernie, Junior, Michael Grigorenko. Ouais, je dirais Duclair. Duclair. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la LNH à présent? Sainte. Pas évident. On n'a pas été très bons les deux premières années. Puis l'an passé, pour en jouer pour le comeback de contre Sorel. Fait que. Je sais pas. Je te dirais peut-être, c'est quoi, il y a deux ans, je pense qu'on avait fait un comeback aussi. Là, on avait joué une game contre Rivière-du-Loup, puis on perdait. Ils nous avaient scoré 3 buts rapides, puis on avait scoré 4 buts rapides, puis on avait gagné la série, me semble. Ouais, je me rappelle. C'était la première ronde, mais c'est ça, vous les aviez sortis, puis je pense que c'était une game à Saint-Georges. Ouais, exact. Vous avez fait un gros comeback dans cette série-là. Ouais, c'était bon, ça. Ton repas préféré? Dans les deux dernières semaines, je te dirais en tourtière. Sinon, j'aime bien la lasagne, moi. Ouais, lasagne, ouais. C'est bon, ça. Bon choix. Lasagne, pizza. Italien, dans le fond. Un peu. Ton film préféré? J'écoute pas. Un film que t'aimes quand t'étais jeune. Ouais. Ça peut être une émission de télé aussi. Fast and Furious. Fast and Furious. Ouais, le premier, surtout le premier. Si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Luke Combs, mais je l'ai vu au festival, mais peut-être ou Morgan Wallen. Un bon country. Un good country, ouais. Good.
Puis, c'était pas mal ça le questionnaire. J'avais quelques petites questions, vite, vite, là, pour conclure l'entrevue, parler plus du cool, la saison, ce qui s'en vient. Je voulais savoir vraiment la défensive du cool là, depuis quelques années, là, vraiment sur la pente ascendante. Puis là, avec toi qui reviens à temps plein cette saison, je voulais savoir comment est-ce que tu trouves la défensive du coup cette saison avec pas mal tous des défenseurs qui rentreraient n'importe quand là, dans n'importe quel line-up dans la Ligue. Vous avez, selon moi, une des meilleures défensives de la Ligue. Comment est-ce que tu vois ça de ton côté? Ben, tu l'as dit, là, on a 7 gars. Puis on a commencé l'année de même. Dans le fond, l'entente qu'on avait un petit peu, c'était on va jouer à 6 puis on va tout le temps alterner un gars parce que c'est dur de dire bon, toi, tu joueras pas 3 games en ligne quand en réalité, on est tous des gars qui peuvent jouer à chaque game. Là. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, on a 7 défenseurs que n'importe quelle équipe pourrait dire on veut pas le sortir du line-up. Fait que évidemment, on a une excellente défensive cette année. Là. Puis pour des facteurs qu'on connaissait pas nécessairement en début d'année, ben on finit tout le temps qu'il y a tout le temps un gars finalement qui peut pas être là ou même qu'on joue à 5. Oui. Mais non, mais écoute, je pense que puis je sais pas si t'as parlé avec d'autres joueurs dans la ligue. Je pense que c'est nos goalers nous aident beaucoup aussi. Tu sais, si on a vraiment deux bons goalers, ce qui fait en sorte que bon les defs ben, on peut venir peut-être appuyer plus l'attaque puis on a des bons défenseurs aussi qui peuvent appuyer l'attaque dans notre équipe mais c'est que on est capable de jouer n'importe quel style dans le sens que si c'est une game qui est ouverte on va pouvoir jouer la game ouverte si on a besoin d'une game qu'on a besoin des relances qui sont rapides on va le faire puis si on a besoin d'une game que des défenseurs on doit être hermétique on va le faire tandis que des fois t'as tout le temps peut-être un top 4 qui est bon qui est solide puis t'en as deux autres qui sont in and out. Puis ça fait en sorte des fois que bon, tu surutilises des joueurs ou t'as pas une défensive aussi complète que comme on a présentement qui peut jouer tous les styles. Fait que je pense que c'est un peu ça qui va faire la force du coup cette année, c'est-à-dire que contre tous les styles d'équipe, contre toutes les façons qui vont jouer contre nous, on va être capable de répondre. Puis ça va commencer par nos goalers qui arrêtent les pucks, par la défensive, puis après ça, l'attaque va suivre. Je sais que tu n'étais pas trop là l'année passée, là, mais tu sais, la différence, on parlait beaucoup aussi de les absents au début de l'année passée, puis des joueurs qui se sont greffés un peu à l'équipe, quand même beaucoup de nouveaux joueurs, mais il y en a quand même quelques-uns cette année, avec ton retour aussi. Qu'est-ce qui fait que cette année, là, le gâteau a peut-être un petit peu plus pris que l'année passée? Ben, il y a une question de confiance aussi là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu as une équipe que tu es capable de compétitionner à tous les soirs, mais au final tu gagnes jamais, ben c'est que tu viens que tu te fais scorer un but puis oh fuck ça va être tough de la gagner, il faut t'en score deux. Tandis que là, tu sais, on croit en notre équipe puis on croit en les joueurs qu'il y a dans l'équipe puis on le sait qu'on a une bonne équipe de hockey. En fait, toutes les équipes sont bonnes cette année. Le classement est vraiment c'est à part Laval qui commence à pourrir un peu là. Mais c'est ça, c'est qu'on le sait que chaque soir on a une chance de gagner, qu'on perde 3-0 ou 3-1. On sait qu'on est capable de revenir puis gagner la game. Puis honnêtement, il y a des games, mais c'est jamais parfait. On ne pratique pas. Il y a tout le temps des games qu'il y a peut-être quelqu'un fatigué, quelqu'un de malade. Mais la réalité, c'est que nos goalers, depuis le début de l'année, font une solide job. Quand que la défensive, peut-être une game est moins là. Puis à l'inverse, quand que des fois les goalers ils ont une soirée plus tough, un peu fumble le puck. Ben là, c'est à ce moment-là que la défensive peut répondre, soit par des transitions rapides, jouer hermétique. Puis tu sais, tout le monde disait au début de l'année, c'est peut-être l'attaque qui manque, mais tu sais, on lance encore des goals. On lance encore les goals, puis les défenseurs appuient l'attaque, puis nos attaquants aussi, ben ça leur permet, je pense que, en tout cas, on n'en parle pas avec les attaquants, mais je pense que les attaquants, ça les met en confiance d'avoir une brigade défensive, parce qu'ils peuvent avoir confiance dans le sens qu'ils peuvent prendre un petit peu plus de chance, puis essayer d'en scorer des goals. Puis comment est-ce que c'est dans le fond, ta première année, les deux premières années que tu as joué, il n'était pas là, puis tu as probablement joué l'année dernière, mais comment est-ce que c'est de jouer avec un défenseur comme Mathieu Roy, qui, selon moi, est dans les trois meilleurs défenseurs de la Ligue? Oui. Ben, tu sais, Matt, il y a une prestance qui est indéniable, là, dans le sens que ce soit sur la glace ou hors glace, tu sais, un message qui a passé dans la chambre, t'as Piper puis t'as Matt qui ont vraiment une prestance puis du leadership quand même assez incroyable qui peuvent passer. Ça, c'est sans parler de ses qualités de joueur sur la glace aussi. Mais fait cocasse, c'est drôle parce que je pense que moi et Matt, on a joué un shift dans l'année ensemble.
Puis le chiffre qu'on a été callé pour jouer ensemble, j'y ai dit ça à glace. J'ai cru, je commençais à penser que tu avais dit au coach que tu ne voulais pas jouer avec Moïse. On a joué un chiffre ensemble. Il y a aussi ben, un des joueurs qui va bien, là, c'est ainsi Maxime Lacroix, qui a quand même pris son envol cette année aussi. Tu dis que l'attaque, il y a quelques joueurs aussi qui font bien. On a parlé à quelques joueurs, justement, le Gagnon, Chagnon, au dernier podcast là, qu'on parlait à des joueurs du Cool FM. Mais sinon, pour le reste de la saison, là, c'est comment que vous voyez ça, peut-être? Là? Je pense que c'est un peu comme les autres comme équipes. Ça a commencé. Non, mais tu commences la saison, tout le monde, les compteurs sont à zéro. Fait que faut essayer d'aller chercher le plus de points possible. Mais là, tu arrives à mi-saison, puis les compteurs sont pas mal à zéro. Comme je disais, à part Laval, qui est allé chercher 4 gros points la semaine passée, pas mal tout le monde se suit dans le classement. Fait que tu peux pas dire que tu vas te prendre une game off. Normalement, tu arrives à mi-saison, puis le classement se dessine pas mal. Puis tu le sais que ces deux équipes-là vont finir dans le top. Mais la réalité, c'est que tu peux interchanger 7 puis 2 présentement là, à l'intervalle d'une fin de semaine. Fait que comment qu'on voit le reste de la saison, ben en fait, comment que moi je le vois, c'est qu'il faut que tu sois prêt à chaque soir pour aller chercher des points. Tu peux pas échapper des points gratuits. Là. Comment est-ce que tu vois justement parce que là, on rentre officiellement là, dans le dernier droit vers les séries. Là. Je sais que c'est comme il reste la moitié de la saison, ce qui est beaucoup, mais ça va vite dans la Ligue nord-américaine parce que il reste juste 2 mois là, avant que les séries commencent. Comment est-ce que tu vois ça justement? Parce que cette saison, t'as pas de deuxième chance en playoff, puis la première ronde, c'est un 3-5. Fait que t'es mieux d'être prêt. Fait que Sûrement avoir plus de games de fin de semaine à 2 games aussi. Là. Ouais, aussi, tu sais, ça risque d'accélérer un peu le calendrier. Là. Dans le fond, il y a beaucoup de fin de semaine d'un match. Là, je sais, en fin de semaine, toutes les équipes jouent 2 matchs. Il y a 7 matchs en fin de semaine. Je sais que c'est ça, comme Sabi dit, il va y avoir plus de matchs là, de fin de semaine de 2 matchs pour toutes les équipes dans la Ligue. Fait, comment est-ce que tu vois ça, le dernier droit vers les séries? Ben, comme je vous disais, il faut que tu sois prêt à chaque fin de semaine. Puis je pense que là-dessus, on a une job à faire. Là. C'est semi-pro, mais la semaine, il faut quand même que tu essaies d'être préparé pour arriver le plus en forme possible pour ta fin de semaine, puis gagner des games gankés, puis prendre soin de ton corps. Puis la réalité, c'est que tu n'arriveras pas dans 2-3 semaines plus en forme que tu l'es. Mais ça un peu aussi avec le fait qu'il y ait. Vous ne pratiquez pas beaucoup avec le Cool FM comparé à d'autres équipes. Ben, il y avait beaucoup de fin de semaine à une game. Là, le fait qu'après les fêtes, justement, il y a 2 games, prendre un petit peu, ça devrait vous aider à prendre un meilleur beat. Là. Un meilleur pace, c'est sûr que oui. Puis, honnêtement, que tu pratiques ou pas, ça fait tout 20 ans qu'on joue au hockey là, dans les gars dans la ligue. Là. Fait que. Si tu me dis que tu as besoin d'une pratique d'un morning skate pour bien jouer le soir ou la fin de semaine d'après, honnêtement, tu n'es peut-être pas dans la bonne ligne pour faire ça. Oui, c'est le fun, tu peux avoir des pratiques puis pratiquer des petites affaires, mais il faut que tu te prépares la semaine, puis quand tu arrives, il faut que tu sois prêt à jouer au hockey, puis il faut que ton warm-up qui est de 15-20 minutes, ben tu l'utilises de bonne façon pour que quand le puck drop, ben tu n'ailles pas de rouille dans les jambes puis que tu sois prêt à jouer au hockey. Puis comment vois-tu le... Je sais qu'il reste, comme j'ai dit, il reste 2 mois, là, mais tu peux commencer déjà à penser un peu aux séries. Je sais que malheureusement, à cause de la pandémie et ta blessure, tu n'as pas pu faire de game de série depuis 2019. Là, donc, j'imagine que tu dois commencer à avoir hâte à ça aussi. Ouais, ben c'est sûr que oui. Là, moi, j'ai tout le temps été un gars que, tu sais, dans le fond, lorsque les games sont importantes, c'est tout le temps là que je joue mes meilleurs games. Puis en série, c'est tout le temps les games plus importantes. Puis c'est tout le temps les games parce qu'ils sont plus émotifs un peu. Puis que, tu fais une erreur durant la saison, c'est correct, tu vas peut-être te faire taper ses doigts, puis au final, tu vas peut-être perdre 3-4 points durant la saison parce que, bon, un gars a fait une erreur ou un autre gars a fait une erreur. Quand tu arrives en série, pour vrai, tu peux pas vraiment faire d'erreur. Fait que, tu sais, faut que tu sois focus, puis une game qui veut rien dire, moi, c'est souvent les games que je t'ai endormi, c'est plate à dire, mais les games qui veulent dire de quoi, c'est souvent les games que, tu sais, c'est là que je vais jouer mon meilleur hockey. Fait que, oui, j'ai hâte que ça arrive, mais je regarde pas trop longtemps, trop loin en avant non plus, là. Sinon, peut-être en terminant, un petit message là, aux fans du Cool FM qui
depuis le début de la saison, là, sont venus quand même massivement dans les estrades. Sont la croix du Tille. Ben, moi, je veux les remercier, là, surtout depuis le début de l'année. Je pense que tu disais qu'on a la deuxième meilleure assistance. Fait que c'est vraiment le fun. On a eu, comme tu disais, 1700 à la dernière game. C'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, c'est grâce à eux, dans le fond, qu'on est capable de continuer à jouer au hockey. Puis d'être rémunéré, dans le fond, pour faire ce qu'on aime. Fait que un gros merci à eux. Une bonne année à eux aussi. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est pas une année qui est facile pour personne, honnêtement. Moi, je m'attendais au début de l'année qu'on allait peut-être, les 7 équipes dans la Ligue, avoir un peu de misère au niveau des assistances avec le coût de la vie qui augmente, le taux d'intérêt commence à gonfler un peu. Tu sais, je le vis au quotidien. Le gars de courtier, poté. Ouais, je le vis au quotidien. Fait que, tu sais, la première affaire, souvent, que le monde coupe, c'est le loisir puis le divertissement. Ouais. Et étonnamment, tu sais, les partisans dans la Ligue sont présents puis on est vraiment, tu sais, tous les joueurs dans la Ligue sont vraiment très reconnaissants de ça. Mais tu dis ça, puis pour vrai, j'avais la même réflexion au début de la saison. J'étais comme moi, je serais pas surpris que ça baisse un petit peu cette année pour ces raisons-là. Puis ben oui. À date, je pense que si on avait à comparer à l'année dernière, on n'a pas une meilleure année même. C'est ça. Puis en plus, c'est la, je sais que la web télé, quand même, je sais que les chiffres sont quand même encourageants aussi à ce niveau-là. Fait que tu sais, les mondes. Ça, peut-être aussi que ça l'aide, tu sais, c'est un tout, tu sais, que le monde peut suivre leur équipe plus facilement sur la route. Ben là, ils ont plus hâte à aller voir la game à la maison, la prochaine game. Ah, puis d'avoir une bonne équipe aussi, ça l'aide, c'est sûr. Là. Ah, ça, ouais, ça aussi, c'est sûr que ça l'aide. Puis tu sais, la moyenne qui est à 1200, c'est sûr qu'il y a comme deux outlier, c'est comme Jonquière qui est quasiment à 2000 de la game, puis Montcalm qui a un petit peu plus de misère, là, mais ça fait quand même une moyenne à 1200. Je pense que toutes les autres équipes sont pas mal aux alentours là, de ça, fait que je pense que ça montre que ça va... Non, c'est ça. Puis tu sais, Montcalm, j'imagine que... En fait, je pense qu'ils s'en attendaient un peu, là. C'est dur de... Je veux dire, les partisans n'ont pas de sentiment d'appartenance encore envers leur équipe, fait que c'est tout le temps un peu dur, je pense, de starter puis d'attirer du monde. Puis je pense qu'ils ont eu un bout, 3-4 games qui ont été plus tough parce que, ils ont mangé une coupe de volant en ligne. Là. Mais je pense que depuis ce temps-là, ça s'est replacé. Puis depuis son dernier au classement, ils sont à 2 points, 2 ou 2 points, une game puis 2 points d'être deuxième. Là. C'est Sorel, c'est ça. Je veux dire, il n'y a personne qui est de mauvaise équipe dans la Ligue. Là. Fait que ils ont un bon produit à offrir. Puis je pense que bon, vraiment qui vont créer un sentiment d'appartenance, mais tu sais, année après année, il va y avoir du monde qui vont y aller. Ouais, et puis tu sais, je pense que dans le plus gros défi cette saison, c'est juste d'amener du monde dans l'aréna, peu importe le moyen, là, qui est à, tu sais, moi, c'est sûr, je suis pas dans le groupe d'actionnaires, là, mais tu sais, quitte à donner des billets gratis pour remplir l'aréna, puis que le monde, au moins, ait la chance de le voir une fois pour revenir par la suite, je pense que Ça peut être, en tout cas, je prends un gars de marketing, ça peut peut-être être un couteau à double tranchant. Si tu m'as donné des billets gratuits, le monde va attendre que tu les donnes pour y aller. ça revient un peu à ce que tu disais, que justement, une nouvelle équipe a bâti son crowd, essayer de créer un engouement dans la ville aussi et les alentours. Donc, ça reste... À voir. Puis, tu sais, c'est pas évident. Tu sais, Laval est pas loin non plus. Puis, ils ont toute une équipe aussi. Fait que, tu sais, c'est pas évident. Rocket de Laval, Canadien de Montréal, ils ont l'Armada. Je veux dire, c'est un produit quand même niché, là, la Ligue nord-américaine, puis peu connu. Fait que, tu sais, faut travailler fort. Il faut qu'ils fidélisent du monde, qu'ils aient un bon produit. Puis, même chose pour Laval, finalement. Ouais, exact. Ouais. Good. Ben, merci, Raph, là, pour ton passage sur le podcast. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. Bonne petite entrevue. Puis, ben, on va en profiter pour te souhaiter une bonne année à toi aussi. Ben, merci. Bonne année à vous autres aussi, les boys. Yes, sir. Merci tout ce que tu veux. Année, puis, une bonne saison avec le coup. Ouais. Une bonne fin de saison, oui. Ouais. All right. Ouais. Fait que, ben, on se tient au courant et en te souhaitant ben, bonne fin de saison. La santé, tout ce que tu veux, puis peut-être plus d'abonnés encore là, sur mon Instagram. Je m'en fous pas mal de mon Instagram, honnêtement. Ah, j'avais écrit l'Instagrammable Raphaël Maheu. Je trouvais que tu avais des belles photos là, de CrossFit là, puis avec la copine, tout ça. Que, ouais. Mais c'est pas moi qui les prends. S'il y a quelqu'un qui est là pour prendre des photos qui sont belles, je vais en poster une de temps en temps. S'il faut que je les prenne, ça se peut que ce soit long. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de quoi.
Il y a la belle peau aussi, peut-être, qui fait que ça fait des belles photos. Ouais, exact. All right. Bon, un gros merci, boys. Bonne année. Bonne soirée. À la prochaine. Salut, vous aussi. Good, good, good. Good. Cool. Bonne petite entrevue avec Raphaël Maheu. Donc, content qu'il ait accepté l'invitation puis qu'il ait été aussi ouvert à nous parler de son parcours, de sa relation puis du coup, cette saison. Quand même, si on regardait autant sa carrière que, tu sais, avec la saison 2014-2015, des remparts, il était à Ulysse, son parcours par la suite, et justement, t'en as parlé un peu, la nouvelle vie là, avec la copine, ces jours-ci, donc, une entrevue très intéressante. Ouais, puis je pense que pour finir, je voudrais juste faire un petit tour d'horizon de ce qui s'en vient ce week-end. Yes. Vraiment, on l'a dit, 7 matchs, toutes les équipes sont en action 2 fois en fin de semaine. Il va y avoir beaucoup de hockey à se mettre sous la dent. Ça commence jeudi soir avec un match à Sorel et à Laval. Donc, Marquis de Jonquière qui est de passage à Sorel. Seulement le 3e affrontement cette saison entre ces deux équipes-là, les deux premiers, là, ça avait fait des très bons matchs. On sait, là, la dernière fois, c'était le retour des Marlois à Jonquière. Ça s'était terminé dans l'échafouré, le brouhaha, le tumulte. Appelle ça comme tu veux. Fait que, je pense que la table est mise pour le match de jeudi. Les Éperviers, en plus, j'ose espérer qu'il y ait une belle foule à Sorel. Ils ont seulement joué un match à la maison au mois de décembre. Puis c'était un match en plus, un dimanche après-midi qui avait été reporté du samedi à cause de la grève des cols bleus. Ça n'avait pas donné une super foule à cause de tout ça. Puis là, dans le fond, le match du 23 décembre qui avait été reporté, qui était l'aller-retour contre Laval, qui aurait probablement eu une bonne foule. Fait que j'espère que ça va donner une bonne foule. Il y a encore les écoles, je pense, sont encore en congé cette semaine. C'est encore un peu le congé du temps des fêtes. Donc, pour un jeudi, ça pourrait être bien. Puis là, la rivalité de la 25 qui va reprendre à Laval, les bâtisseurs qui vont essayer d'arrêter un peu la machine des pétroliers. Donc, eux qui ramassent tout sur leur passage. Mais on se rappellera que l'avant-dernier match entre les deux équipes, c'était la dégelée 14-3, mais que le dernier match, c'était les bâtisseurs qui l'avaient remporté. Donc, on va faire attention du côté de Laval. C'est un club qui peut causer des surprises. Mm. Encore une fois, comme j'ai dit, Montcalm Laval, habituellement, ça fait quand même des bonnes foules, ça aussi. Ça peut être intéressant. Alain Dubois qui mentionne aussi le Tetra, c'est la première fois qu'il joue deux parties depuis la mi-novembre. Depuis un bout, là, on joue. Ouais, le Tetra qui ont seulement 17 matchs de jouer. La dernière équipe qui va officiellement atteindre la mi-saison en fin de semaine. Eux, dans le fond, eux aussi étaient supposés jouer deux matchs la fin de semaine du 23 décembre, mais que ça a été annulé. Fait que ouais, ça avait que ça va faire du bien à Thetford parce que, tu sais, Thetford n'ont pas encore la saison qu'ils veulent, le rendement qu'ils veulent. Puis je pense que ça a un impact aussi là, de jouer un match par fin de semaine. Là. C'est dur de prendre son rythme. On l'a vu, Guillaume Lépine l'avait dit en entrevue, je pense, il y a deux semaines, que Colin, c'est rough jouer juste un match. Là, tu ne peux pas prendre ton aise. Puis tout. Puis aussi, Thetford, c'est sûr, on a eu Chris Lozier au dernier podcast. Fait qu'on n'aura peut-être pas un joueur de Thetford d'ici une semaine ou deux, mais je suis quand même très curieux de savoir la date de retour d'Alexandre Goulet. Là, on en parle depuis le début de la saison. On disait le temps des fêtes, le cours du temps des fêtes. Fait que ça va être, j'ai hâte de savoir ça, de suivre ça. Donc, oui, Thetford qui eux jouent à Jonquière le vendredi. Eux qui se sont fait jouer un vilain tour à Jonquière vendredi dernier, ont perdu à cause d'une remontée des marqués, notamment le but gagnant qui a été marqué par Maxime Mathieu. On sait à quel point les joueurs de Thetford aiment Maxime Mathieu, fait que ça risque de se transporter au prochain match à Jonquière. Puis ensuite de ça, ils vont recevoir là, la visite des pétroliers le samedi à Thetford. Fait que ça avec, c'est un autre gros match. Là, c'est quand même deux grosses rencontres en fin de semaine. Là. Une grosse rivalité contre Jonquière, puis après ça contre les pétroliers qui, eux, sont tout feu tout flamme, qui ont encore la défaite de la finale l'année passée sur le cœur. Grosse fin de semaine pour l'assurancier. J'ai hâte de voir ça. Alain Dubois qui dit on parle de février, Goulet. Je sais qu'il doit jouer au moins un match. Ben, il peut
peuvent le faire jouer un match, même s'il ne joue pas réellement là, avant février, là, s'il n'est pas encore établi. Mais en tout cas, j'espère qu'il va arriver avant la fin de la saison. Ça, c'est... En tant que fan de la Ligue, oui. En tant que fan des Éperviers, peut-être un peu moins, mais on est ici pour la Ligue. Fait que j'espère qu'il va revenir le plus rapidement possible. Ensuite de ça, au niveau des matchs, un petit tiré aller-retour, 3L Cool FM. Je pense que c'est le fun parce que, comme on disait l'année dernière, les matchs 3L Cool FM à ce temps-ci de l'année, c'était la bataille pour la cinquième place. Là, c'est la bataille pour la deuxième place. Fait que c'est pas mal plus le fun pour ces deux équipes-là. Fait qu'on risque de continuer de voir les belles foules à Saint-Georges. Puis Rivière-du-Loup qui se tiennent toujours quand même dans le un petit peu en bas du 1100 personnes par match depuis le début de la saison. Ça avec, c'est intéressant. La semaine dernière, là, j'étais à Rivière-du-Loup pour les Éperviers. Puis, dans le fond, la foule était dedans. C'était le fun. Il y avait quand même l'ambiance au Centre Premier Tech. Donc, ça va être à suivre. Puis, le dernier match que je n'ai pas encore mentionné, c'est la visite des Éperviers à Montcalm. Donc, on joue contre les Bâtisseurs. Les Bâtisseurs qui n'ont jamais perdu encore contre les Éperviers. Donc, depuis le début de la saison, je pense qu'ils ont seulement joué deux matchs contre, mais les Bâtisseurs qui ont remporté les deux matchs, puis les Éperviers qui ont seulement marqué un but à ces deux matchs-là. Donc, pas capable de briser. Je sais que c'était la même chose dans le temps quand Dessel était à Rivière-du-Loup puis Marcoux était à Thetford. Là. C'est toujours deux gardiens que les Éperviers ont vraiment beaucoup de misère contre. Donc, ça se continue un peu à Montcalm. Ça va être à voir vendredi si les Éperviers vont réussir à marquer plus qu'un but contre les Bâtisseurs. Ça va être un match intéressant. Fait que, beaucoup d'hockey. Martin Delan qui dit « Je vais aller voir ça, le complexe à Montcalm. » Ouais, ben... Moi aussi, j'espère que ça va être une belle foule. Ce serait le fun d'avoir au moins 900 personnes, 1000 personnes là-bas. Mais ouais, Montcalm, c'est vraiment un bel aréna, fait que je pense pas que tu vas être déçu. On est proche de la glace, les chaises sont confortables. Puis, tu sais, même... Pour les matchs que j'ai été, qu'il y avait un peu moins de monde, là, même quand il y a 500-600 personnes, il y a de l'ambiance à Montcalm. C'est plate. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y ait 1000 à chaque match, là, mais les matchs qui atteignent le 900-1000 personnes, là, ça fait vraiment des matchs de fun là, parce que ça fait beaucoup d'ambiance. Puis même que le descripteur attrape des rondelles. Oui, Éric Cloquette, qui est un des bons, c'est sa première année, mais qui est un des bons. Un des bons descripteurs dans la Ligue, je trouve. Une bonne voie pour faire ça, de l'entrain. Sur le LNH, ça rend les matchs le fun, les matchs de Montcalm. Donc, tout le monde est sur le qui-vive, hein, le descripteur. Ouais, ben tu sais, la passerelle qui est littéralement au-dessus de la patinoire à Montcalm, il faut être prête, là. Thetford aussi est au-dessus de la patinoire, mais est comme plus élevé, fait que c'est pas mal plus dur de renvoyer une rondelle jusque-là. Mais ouais, Montcalm, il faut faire attention. Il faut être prêt. Yeah. Steve Dumoulin qui dit « Excellent lutteur aussi, M. Parkett. » Donc, complément d'information. Merci, Steve. Ouais. Ah, ben je comprends pourquoi. Ça doit être un bon lutteur sur le micro, comme on dit, la manière qu'il décrit les matchs. Des fous, les bâtisseurs. Ça doit faire des bonnes promos à la lutte. C'est bon, ça. All right. Sinon, ça complétait notre reportage, Dave? Ouais, je pense que ça fait le tour, comme on l'a dit. C'était pas été la semaine la plus rocambolesque niveau nouvelles, mais tu sais, c'est le temps des fêtes, fait que c'est normal. Je pense que ça va recommencer. Puis tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles avec ces matchs dans la Ligue nord-américaine. C'est impossible qu'il se passe pas quelque chose avec ces matchs. Fait que je pense que ça promet déjà pour le show de la semaine prochaine, là. Juste avoir le calendrier. Est-ce que du coin de l'œil, on regarde peut-être la date limite des transactions? Est-ce que tu sais c'est quand la date? Je vais essayer de checker vite. Mais c'est sûr que ça doit s'en venir assez rapidement. Là. L'année dernière, c'était le 21 février, sauf que ça avait été repoussé à cause de la COVID. Fait qu'habituellement, c'est pas mal tout le temps fin janvier. Fait que, il doit rester un mois maximum là, pour la date limite des transactions. Fait que c'est sûr que c'est dur de faire des échanges avec un classement aussi serré, mais si dans les prochaines semaines, ça commence à bouger. Puis, c'est sûr qu'il y a plein d'équipes qui ont des besoins. Là. Juste parler pour les Éperviers, c'est sûr que
C'est l'équipe qui marque le moins de buts dans la ligue. Fait que c'est sûr que ça va avoir un peu plus d'attaque. Il y a des défenseurs qui sont blessés. Ça prendrait plus de profondeur défensive. Tu sais, je pense que toutes les équipes, on peut toutes leur cibler des besoins, peut-être à part les pétroliers. Mais tu sais, sinon, c'est sûr que toutes les GM doivent vouloir améliorer leur équipe avant la fin du mois de janvier pour le dernier droit puis les séries, c'est sûr et certain. Peut-être avoir des polices d'assurance là, au cas où il y a des blessés pour la suite des choses. Ah, puis tu sais, ça va commencer avec le cool. Pas de nouvelles de Sam pendant le Sam Bus pendant le podcast, mais. Ouais, le fameux joueur là, de vendredi, c'est qui, là, Sam? Ça, il y a une annonce à faire, tu sais, un retour à Saint-Georges, on va voir c'est qui. On verra si c'est Pierre-Luc Veillette. En tout cas, si c'est Pierre-Luc Veillette, on va lever notre chapeau à Raphaël Maheu qui a fait une très bonne job de politicien. Ça va être intéressant de voir aussi. Justement, si c'est un bon joueur comme lui qui se rajoute dans l'alignement, ça va donner un bon coup de main à l'équipe. Mm-hmm. C'est un joueur là, sur qui le coup de FM pouvait compter l'année dernière. Je ne suis pas sûr s'il a été deuxième pointeur de l'équipe. Ouais, Pierre-Luc Veillette avait connu une super saison l'année passée, mais je sais pas. Sinon, peut-être, si on regarde l'alignement après COVID, il y a peut-être des joueurs qu'on oublie un peu qui seraient encore en bonne forme ou dans la fleur de l'âge pour jouer dans la Ligue nord-américaine. Je pense que j'ai pas. Je l'ai su comme au podcast, j'ai pas eu le temps de faire mes petites investigations, mais en tout cas. Puis Martin qui demande si tu as un update sur Gabi Rock. Non, pas encore. Pas depuis. Dans le fond, je l'avais vu à Jonquière parce qu'il avait fait le voyage. J'ai pas eu d'update depuis ce temps-là. La seule chose que je sais, c'est que s'il pouvait jouer, c'est sûr qu'il jouerait. Fait que, on continue de rehab, comme on dit. Puis je pense que dans son cas, quand que la blessure, je pense que c'est un peu comme Alexandre Goulet, là, fin janvier, février, c'était un peu ce qu'on avançait, mais c'est sûr que du côté des éperviers, ce serait demain matin. Là. Si vous pouvez jouer, ce serait demain matin. Fait que, on verra, mais ouais, ça ferait du bien à l'équipe, ferait du bien à David Lacroix. David Lacroix fait une Christy job cette saison. Avait dit qu'il avait été blessé pendant un moment aussi, là, puis quand même été dans l'alignement et La Croix, ouais. Le travail. Des problèmes de main un peu depuis le début de la saison, mais il fait sa job pareil, fait que je lève mon chapeau. Par son honneur. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que on est allé à la Rivière-du-Loup vendredi passé, puis j'étais je faisais le voyage avec Gabriel Bilodeau qui est rentré dans l'équipe l'année passée. Puis, tu sais, on se demande tout le temps des fois. Puis, tu sais, le TIF, il l'a encensé mille fois, je pense, sur le podcast Dave Hamel. Mais c'était un peu la même chose avec David Lacroix. Il dit, c'est fou, David Lacroix. Tu sais, même s'il se boit pas, tu sais, juste sous le banc, il dit, il est tout le temps en train de crier après les gars, d'essayer de les réveiller, de crier après l'autre équipe. Nanana, nanana. Tu sais, il dit vraiment, quand il est pas là sous le banc, ça paraît parce que vraiment, il est vraiment là pour les gars tout le temps. Puis s'il se passe de quoi sur la glace, ben, il est là pour faire régner l'ordre aussi. Fait que, non, sait-on jamais, peut-être dans un avenir, peut-être après sa deuxième retraite. Ouais. Comme Martin Larivière. Ouais, comme Martin Larivière. Ouais. Des prédispositions dans le coaching. Ouais, ben il a déjà été dans les séries, tu sais, des fois les hommes forts ont peut-être un rôle un petit peu plus effacé dans les séries là, parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un homme fort dans l'alignement, mais depuis la deuxième conquête de la Coupe, les éperviers, quand Lacroix n'est pas dans l'alignement, Christian Deschênes l'envoie en arrière du banc là, juste pour qu'il puisse être sur le banc puis parler aux gars pendant toute la game. Yes, un gars qui amène aussi une touche de leadership. All right. Donc, sur ce, merci tout le monde là, d'être venu en grand nombre pour cette première émission de 2023 avec Raphaël Maheu. Donc, merci à notre invité aussi là, de s'être prêté au jeu. On a eu du fun. Quelques petites photos, quelques petites questions aussi. Là, un petit peu. On a su que maintenant, Raphaël est rendu au Saguenay. Donc, ouais,
Peut-être que l'information va être reprise par des magazines de potins là, qui vont avoir écouté peut-être le podcast. Donc, on va suivre ça demain. Ça tombe jamais. Ouais. Sinon, dans le prochain séjour. Yes. Sinon, ben, beaucoup de matchs là, en fin de semaine. On vous invite à aller regarder ça dans l'aréna la plus proche de chez vous. Ça peut être la plus loin aussi si vous suivez votre équipe sur la route. Sinon, Puis les commentaires, merci à tout le monde qui nous écoute, là, qui nous envoie des bons commentaires. Ça fait toujours. Ça fait toujours plaisir. Puis, petit, je ne sais pas si ils sont là, mais petit shout-out ici. Je sais qu'on n'était pas là la semaine dernière, là, mais le match, j'ai croisé vite François Bellefeuille puis Stéphane Godette à Laval au dernier match des Éperviers. Donc, salutations s'ils sont là. C'était toujours le fun de rencontrer des fans de la Ligue qui connaissent ça. Puis, qui dans le fond, ces gars-là ont les pétroliers tatoués sur le cœur. Fait que toujours le fun de jaser hockey avec eux. Yes. Alex Koutaïa qui écrit Good job les boys. Martin Delan qui dit très intéressant les boys. Alors, je sais pas. Steve Dumont qui dit toujours le fun de vous écouter. Vincent Lamoureux aussi qui dit bonne fin de soirée, toujours intéressant. C'est grâce à vous qu'on fait ça aussi. Si vous êtes là semaine après semaine, Alain Dubois aussi qui écrit bravo les gars. Merci à vous autres. C'est pour vous autres qu'on fait ça. Puis pour. La passion de la Ligue aussi, la même passion que vous avez, nous autres, on l'a aussi. Que c'est le fun de partager ça avec vous autres. Sur ça, bonne soirée. Faites attention à vous. Au retour à la maison. Au revoir. Ciao.